Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique de l'Antre des Maraudeurs. Et donc en première maraudeur, nous avons trouvé derrière un buisson caché sous les rochers à la recherche donc du nouvel épisode de Star Wars 8. Théo, comment vas-tu Théo? Bah ça va super, j'ai trouvé l'épisode 8, j'ai réussi enfin à le trouver, je l'ai cherché pendant des années. Il est là, il est présent, j'ai la bobine, j'ai tout ce qu'il faut, nickel, on est parti. Ok, et donc maintenant, bah Bertrand, toi qui étais caché dans un arbre. Dans un arbre pour avoir une bonne vue, une vue panoramique sur ce qui se passe, et bien bonsoir à tous. Et donc du coup, bien toujours nous trois, donc les maraudeurs, donc Théo, Bertrand et moi-même Flo. Donc ce soir, nous allons donc vous présenter l'épisode de Star Wars 8, donc qui est sorti la semaine dernière donc au cinéma partout en France. Je sais pas s'il est sorti partout dans le monde encore. Non, ne serait-ce qu'en Chine et en Amérique du Sud, ce mois de janvier. Ok. Ah ouais. Donc Star Wars 8, l'épisode 1, le titre c'est Les Derniers Jedi. Donc l'histoire globalement c'est la continuité du donc Star Wars 7. C'est un film qui va montrer le Premier Ordre, sa puissance face à quelques résistants. Du coup, les résistants qui essaient de lutter contre justement ce Premier Ordre qui a mis la République à bas. Et bah, il ne manque plus qu'à détruire ces quelques gêneurs pour pouvoir dominer entièrement la galaxie. Et donc, du coup, nous pouvons suivre les aventures de Rey, de Finn, de Poe Dameron, de Chewbacca, bizarrement. Enfin voilà, tous les personnages qu'on connaît de Star Wars. Donc faut vous dire avant tout, donc si vous ne voulez pas être spoilé, il ne faut absolument pas, et vous pouvez vous arrêter dès maintenant, merci de nous avoir suivis. Mais cependant, nous allons complètement spoiler le film, on va raconter, parce que nous l'avons vu il y a maintenant presque une semaine, et on va donc du coup dévoiler tout ce qu'on a aimé et pas aimé. On va du coup débattre entièrement de ce film, et donc c'est du total spoil. Donc comment ça va se passer? Donc d'abord, maintenant d'avoir présenté le film, on va parler de notre ressenti, ce qu'on a aimé, pas aimé, débattre du film en lui-même. Ensuite, on va enchaîner sur la chronique du top et flop, puis une track du rodeur, un MVP. Et ensuite, aujourd'hui, on avait trouvé ça difficile de faire un quiz sur Star Wars 8, puisqu'on l'a en tête, mais ça a été compliqué. On n'a pas les détails pour faire un quiz. Oui, voilà, ça a été compliqué de faire un quiz un petit peu poussé sur Star Wars 8. Du coup, on a préféré de mettre en place des théories. Et pour nous, comment pourrait-on embrayer sur un Star Wars 9 et ce qui pourrait éventuellement se passer suite à ce qu'on vient de voir. Donc, voilà. Votre ressenti maintenant sur Star Wars 8. Donc, quand vous êtes sorti, donc quand on est sorti, parce qu'on était tous les trois, de la salle du cinéma, qu'est-ce que vous avez ressenti sur Star Wars 8? Bah moi, comparé à vous deux, bah moi j'ai bien kiffé. Franchement, le film, bah tout dans son ensemble. Après, peut-être un manque au niveau de l'histoire avec la résistance. Je pense qu'il y a très peu de contenu. On voit juste en fait que les résistants sont partis de leur base, ils ont atterri sur une autre. Mais c'est vraiment une toute petite période en fait. Ça se passe vraiment sur... C'est pas long, tu vois. Et il manque quelque chose. On voit que sur le film, en fait, c'est énormément basé sur l'histoire de Luke. On voit Luke... qui monopolise 80% du film, enfin Luke, Rey, Kylo Ren, enfin l'histoire de... Moi je trouve que ce chapitre est dédié, donc enfin, aux Jedi. Je pense que c'est un truc qui manquait un peu avant, c'est que comme Star Wars 3, il manque un combat de Jedi, tu vois, il manque un truc. Enfin, je veux dire, tu vas voir Star Wars, tu as forcément des sabres laser. Et moi je trouve que dans le 7, il manquait un peu ça, il manquait un peu de combat, donc tu avais juste Finn avec son sabre laser qui arrivait, mais tu avais pas de vrai combat en lui-même. Là par contre, tu vois, t'as un maître dans l'art de Jedi, t'as Luke qui est là, t'as Kylo Ren qui représente le mal, tu sens que les deux ils sont proches l'un l'autre, il peut y avoir un truc et c'est ce qui s'est passé. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur combat du monde et c'est pour moi pas le meilleur, mais ça reste un combat de Jedi, donc pour moi c'est vraiment le point fort du film, c'est que j'ai vraiment bien kiffé. Ouais. T'as aimé le film de Star Wars 8? J'ai bien aimé Star Wars 8. Ok, Bertrand, toi, ton avis sur Star Wars 8? Alors, mon avis, donc, moi, tu dis contrairement à nous deux, mais moi, au final, je l'ai bien aimé aussi. Je l'ai vraiment bien aimé. Quand je suis ressorti de la salle, j'étais un petit peu partagé. Enfin, voilà, je ressortais avec une impression quand même assez bonne. Maintenant, il y a des choses qui m'embêtaient un petit peu. Enfin, qui m'embêtaient. Oui, enfin, que j'avais pas tout à fait assimilé. Voilà, donc, tout comme Florentin, moi, je suis allé le revoir une seconde fois. Et la seconde fois, j'ai pu plus m'attarder sur des détails et j'ai pu comprendre des choses que j'avais pas forcément compris la première fois. Enfin, des détails qui m'avaient échappé et pour, on va dire, la compréhension globale du film, c'est vrai que c'était un peu embêtant.
Et au final, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est déjà surtout ce qu'on voit par rapport à la force. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans Star Wars. Bon, les sabres laser, j'aime beaucoup aussi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le côté mystique qu'entoure Star Wars. Et là, je trouve qu'on y revient, enfin, avec Luke qui parle de la force d'une manière très globale, pas forcément toujours, enfin, de manière positive. Après, c'est l'utilisation qui en est faite qui peut être plus contrastée. Mais cette partie-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé aussi la relation qu'il a avec Rey, et puis même tout ce qu'on voit avec Rey, Kylo Ren, ça m'a plu. L'histoire avec les résistants, alors ça prend quand même l'ensemble du film. Enfin, tu dis que ça dure un court moment, effectivement, on ne voit pas que ça, mais on suit en fait les résistants se faire botter le cul, hein, clairement, par le premier ordre, jusqu'à être décimés totalement, puisqu'ils sont plus qu'une poignée à la fin, leur flotte se fait abattre, enfin, il y a quasiment plus rien. Et même cette intensité-là, des résistants qui se font éjecter de leur planète, qui se font poursuivre, abattre tout au long du film, puis au final ils vont sur une planète et ils se font à nouveau abattre et ils repartent en fuite. Moi j'ai adoré cette intensité-là, mêlée avec toute l'histoire qu'on a entre les Jedi, enfin Luke, Rey, puis Kylo Ren. Voilà, tout ça entrecroisé, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Je dis pas que j'aime tout, mais ça, il m'a vraiment plu et je trouve qu'on monte en puissance par rapport au 7. Non, mais moi ce que je voulais venir, c'est que quand j'ai dit au niveau de l'histoire de la résistance, c'est que tu regardes par rapport au Jedi, t'en sais beaucoup plus sur le 8 que t'en apprendras dans le 7, mais au niveau de la résistance, tu sais pas grand chose, c'est ce que tu me dis, en fait tout le long du film ils se sont bottés le cul, enfin ça s'arrête là, tu vois pas, en fait, dès le début ils essaient de s'évacuer, t'as le premier ordre qui arrive, là ça commence à faire un massacre, ensuite ils vont direct jusqu'à leur planète. Mais en fait, t'apprends rien, à part peut-être un ou deux personnages. Bah, t'as rien à apprendre, ils sont juste tirés. Oui, non, mais t'as rien à apprendre. Mais moi, j'aurais préféré plus découvrir. Bon, là, on a découvert une nouvelle base, mais un truc un peu plus poussé, c'est. On apprend beaucoup plus sur la résistance. Genre, ils avaient un point d'ancrage, tu vois. Ouais, là, ils en ont un, mais c'est un truc abandonné. Ils se raccrochent vraiment au petit truc qui permet de peut-être se faire sauver. Mais j'attendais vraiment une grosse base où, en fait, une sorte de piège, tu vois, à la limite. Genre, t'as l'impression qu'en fait ils se font décimer, ils vont sur la planète et là, gros retournement de situation. En fait, t'avais toute leur force qui était ici et là, en fait, ça rentre dans une grosse bataille entre l'Empire et la Résistance. Tu vois. Non, mais là, c'est moi, j'attendais vraiment un gros truc comme ça. Là, on voit vraiment que c'est la Résistance qui se fait écraser. Ah oui, mais ils sont complètement écrasés, c'est sûr. Ils sont vraiment écrasés. Un peu. Alors, attention, je veux pas tout de suite faire de parallèle ou quoi, mais un peu à la manière d'un Empire contre-attaque où l'Empire reprend le dessus. Là, on voit que le Premier Ordre est en domination totale. Et alors, le seul espoir de la Résistance maintenant, c'est Rey, puisqu'il reste quasiment que elle, hein, ils sont à 15 dans le faucon à la fin. Mais en tout cas, il y avait pas. Pour moi, en tout cas, c'est plus un épisode centré sur la force plutôt que centré sur. Même si on voit cette politique de la galaxie, cette domination du Premier Ordre, c'était plus basé là-dessus, en tout cas. Ok, ben moi du coup, ce soir je vais être tout seul, je ne comprends absolument pas vos avis, franchement, j'ai regardé tous les Star Wars en long et en large, je suis pas incollable, loin de là, mais alors je suis absolument pas d'accord avec vous, je pense qu'on en fait beaucoup trop sur ce Star Wars 8, clairement on se voile la face, tous ensemble, parce que tout simplement, je trouve que l'histoire est vide, elle est pauvre, donc on veut faire croire des choses sur la force, etc., donc il y a des choses que j'ai quand même bien aimées dans le film. Où il y a des rebondissements, etc. Mais je maintiens juste que l'histoire est franchement vide, nulle. Enfin, il n'y a aucun intérêt, je trouve. On se fout limite de notre gueule, clairement, moi j'ai l'impression. Il n'y a aucun scénar. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a Luke, parce que sans Luke, clairement, il n'y a pas de film. Limite, on nous fait un film de 2 heures, on pourrait très bien faire un court-métrage dessus, je pense que ça passerait plus vite. Il y a énormément de détails qui ne servent à rien, alors on va nous ressortir la fameuse histoire du « oui, mais on va attendre le 9 pour comprendre des choses ». Seulement, je trouve que c'est l'histoire, en fait, de quelques résistants qui se font attaquer par le Premier Ordre. Très bien. Donc, comme dans beaucoup... Tu dis quelques résistants, tous les résistants. Les résistants, la base de résistants qui arrive. Donc on arrive à s'enfuir encore une fois sans trop de difficultés, hein. Le Premier Ordre arrive, ils peuvent avoir les plus gros vaisseaux de l'univers avec une puissance de feu hors du commun. Ça n'arrête personne, on peut voir qu'un bombardier à lui tout seul, ils étaient 25, il arrive à... Enfin après je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, on arrive quand même à détruire, j'ai pas retenu le nom du vaisseau, mais une sorte de destroyer énorme. Un cuirassé. Donc du coup, enfin encore une fois... les résistants ou les gentils arrivent toujours à s'en sortir. Et après, l'histoire pour moi, c'est le Premier Ordre qui poursuit une flotte,
qui pourrait largement décimer en l'espace de 7 minutes 34. Seulement, on a dit, bah non, pendant 2h30, on va faire en sorte de les bombarder parce qu'on trouve ça vachement plus drôle. Alors, et donc, du coup, bah, jusqu'ici, après, on nous fait beaucoup de petites histoires à gauche à droite. Finn qui part en excursion, Rey qui va voir Luke. On essaie d'en apprendre plus avec Kylo Ren. Avec, voilà, donc on nous, je trouve que l'histoire, elle tient juste pas du tout la route. C'est juste des histoires. Enfin, il y a une histoire où un vaisseau se fait canarder et à côté, plein de petites histoires à droite, à gauche. Alors, et je trouve ce film pauvre. Moi, je suis pas d'accord avec toi en fait, mais c'est là où j'avais justement ce détail qui m'avait échappé. C'est qu'en fait, comme tu dis, le premier ordre a une puissance de feu bien supérieure. Bien supérieure. Ce qu'on oublie un peu, c'est qu'ils ont quand même décimé toute la flotte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce fameux croiseur et la flotte qui va autour. Donc je parle des rebelles, enfin des résistants. Et donc, moi aussi, je m'étais dit, on en avait parlé à la sortie du cinéma. Et en fait, pourquoi ils détruisent pas tout? Mais au final, ils détruisent quasiment tout. Et en fait, ils n'arrivent pas à battre le croiseur. C'est justement, c'est toujours la force des résistants. C'est que justement, ils arrivent à se maintenir hors de portée. C'est-à-dire qu'ils passent pas dans la barre de. Ça c'est faux. Mais encore une fois, on nous fait croire des choses. Il y a aucun intérêt. Mais regarde, ça a toujours été. Regarde les vaisseaux résistants. Ou rebelles à l'époque. Ils ont toujours été plus petits, plus rapide, mais plus faible en puissance. Ce qui leur permet justement de rester hors de portée. Et ce que dit justement le Premier Ordre et le Général Hux, qui dit, mais à quoi nous sert tout ça si on n'arrive pas à les détruire totalement? Et c'est là qu'on leur dit, on ne peut pas les... Comment dire, ils nous tiennent à portée, donc du coup, on ne peut pas totalement les tuer. Du coup, au final, ils les détruisent vaisseau par vaisseau, en commençant par la frégate médicale puis par les vaisseaux de soutien, puis partout. Et c'est un moment où Poe Dameron s'énerve contre... alors c'est Aldo, je crois, la générale qui supplée, et qui lui dit, mais c'est quoi votre plan? On est parti avec une flotte, il ne nous reste qu'un seul vaisseau. Il ne reste qu'un seul vaisseau, ils n'ont plus rien. Et donc du coup, pour moi, dire que le premier ordre n'y arrive pas, ils ont quand même détruit toute la flotte des résistants et quasiment tous les résistants. Encore une fois, moi ce qui me dérange clairement, même si on s'arrête vraiment sur les détails du film, sur l'histoire principale, parce que je trouve que c'est ça, c'est qu'au final, on est bien d'accord, donc le vaisseau il peut aller aussi vite qu'il veut. Je veux dire, à tout moment, le général Hux ou Snoke ou Kylo Ren ou qui ils veulent, ils peuvent faire appel à plein d'autres vaisseaux qui sont à travers la galaxie. Enfin, je crois qu'à un moment, ils ont une dizaine d'heures devant eux pour dire voilà, on y va. Ils passent en vitesse lumière, ils arrivent, ils le bombardent. Allez, bougeons, au revoir. Leia Organa, elle est morte, on sait tout ce qu'elle est dedans. Ils passent pas en vitesse lumière, ils sont trop proches pour passer en vitesse lumière. Non, mais le premier ordre peut appeler des renforts en gros, s'ils veulent vraiment. Je veux dire, ils peuvent très bien dire au lieu de dire non, mais on va attendre qu'ils soient là en train de crever. Leur flotte est là, je pense. Ah non, mais ils ont une flotte qui est beaucoup plus grande. Non, mais je pense qu'ils ont. Pas juste un vaisseau. Non, mais ils ont des vaisseaux disséminés à droite à gauche. Je veux dire, appeler des renforts, ça servira à rien. Bah si, ça aurait évité déjà qu'ils se fassent péter la gueule, je pense. Bah ils se font pas péter la gueule à aucun moment. Le premier ordre, ils perdent un vaisseau, mais ils perdent beaucoup moins que perdent les résistants. Oui, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi je trouve qu'on va pas débattre sur ce truc là, enfin pas encore, mais je trouve ça dommage, c'est que encore une fois, que les résistants soient très forts, donc c'est autant ça a été un point fort dans le Star Wars 7 et que j'ai trouvé ça génial. Encore une fois, c'est toujours les irréductibles gaulois, ils ont beau être un ou deux ou trois, et tu peux mettre la planète entière devant eux. Et le premier ordre n'y arrive pas, que ce soit l'Empire, le premier ordre ou quoi que ce soit, il n'y arrive jamais et c'est une catastrophe. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, ils y arrivent. C'est une victoire totale du premier ordre sur ce film, une victoire totale, parce que la résistance n'est plus. On voit très clairement. Ils tiennent à 14 dans le faucon. Ils tiennent à 14 dans le faucon, pourtant tu as eu un signe de. On sait tous que l'espoir est là et qu'ils vont pas perdre. Enfin, clairement, moi je vois pas le film en mode. Ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur ce film-là, la résistance est décimée. Et je crois que c'est vrai qu'il le dit à la fin, mais comment on va faire avec ce qui nous reste? On a deux bouts de bois, même le sabre est cassé. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Léa, elle est là en mode genre, on va y arriver, t'inquiète pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est. Si tu fais un parallèle par exemple avec. Le Star Wars 2 et le Star Wars donc 5. Star Wars 2, on termine avec Obi-Wan qui se fait malmener face au Comte Dooku, Anakin qui perd un bras et Yoda qui se fait même presque tenir en échec pour sauver tout le monde parce qu'il est beaucoup trop vieux, mais qui perd face au Sith et le Sith qui arrive à emporter les étoiles, enfin les plans d'étoiles de la mort sur Coruscant. Enfin, là on sent qu'il y a, bien que les clones existent, etc., là on sent qu'il y a une victoire du côté obscur. Dans le 5, c'est pareil, Luke va donc rompre son apprentissage de Jedi,
va sur Bespin du coup dans la base de Lando Calrissian et il va affronter donc il le savait pas encore mais il va affronter Vador, il perd son bras, il termine en mauvais point, enfin encore une fois dès qu'on termine les films, bon après on connaît rapidement la suite mais on est là en mode genre mais qu'est-ce qui va se passer? Là clairement, je trouve qu'il y a tous les signes de l'espoir pour dire que ça va bien se passer. Alors Disney fait en sorte parce que ça se termine sur une note positive avec avec Rey qui rejoint la résistance. Ça d'accord. Après, si je m'arrête que sur le point résistance contre premier ordre, là, ils se font vraiment, vraiment décimer. Oui, et c'est pour ça, moi, vu qu'étant donné qu'il ne reste qu'un seul film et qu'on sait qu'il va bien terminer, parce qu'on voit mal comment il pourrait avoir une mauvaise fin, surtout que c'est le dernier film, je veux dire vraiment le dernier dans la saga, dans cette saga-là du moins, effectivement, il va sûrement se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont reprendre le dessus. Mais en attendant, si on s'arrête à celui-là, le premier ordre... Je reviens sur ce mot décimer, mais décime totalement la résistance. Bah, moi, je trouve qu'il le décime. Alors oui, il décime ce qu'il y a à faire. Seulement, encore une fois, on n'a pas une victoire totale. Non. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, le pauvre vaisseau, il y a un... faut arrêter. Non, mais franchement, je suis pas d'accord du tout. Enfin, je veux dire, et autant il y a des choses, je veux bien dire, allez, admettons que t'as un vaisseau. T'as un vaisseau. Ils l'ont même plus à la fin. Oui, non mais alors oui, t'as encore raison, mais c'est pire. Mais tu rajoutes de l'eau à mon moulin. C'est comme que Disney jeune. Oui, c'est que si tu veux, encore une fois, j'imagine ça des poupées russes. Imagine une poupée russe, d'accord? Donc t'as le premier ordre qui arrive, il va tuer une première poupée russe, mais c'est pas grave, on en a encore une autre. Ok, t'as une autre poupée russe. Puis après, il va tuer la deuxième poupée russe, mais c'est pas grave, on en a encore une autre. Et en fait, tu sors plein de petites poupées jusqu'à ce que tout le monde sorte par des petits vaisseaux. Donc jusqu'à ce qu'il en reste que un, évidemment, c'est toujours le vaisseau. Voilà, évidemment, pour le scénario, on va dire, il faut pas tuer Leia, etc. Mais du coup, tu vas faire en sorte que ce soit ce vaisseau-là qui arrive. Qui arrive sur la planète, qui arrive, donc qui ressemble étrangement à Hutt, mais ça, c'est pas, je trouve que c'était plus un clin d'œil, c'était même agréable. Ouais, c'est pas choquant. Mais non. Après, quand on voit le 4, je me dis que bon, ok. Enfin, le 4, le 7, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, puis c'est une toute petite poupée qui arrive à lutter contre un machin, et puis. Mais pour moi, il n'y a pas rien. Pour moi, il n'y a pas de lutte, justement. C'est vraiment un bottage de cul intégral. Oui, mais tu dois les tuer. À un moment, je veux dire, encore une fois, limite, regarde, je prends ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'aurais préféré qu'au final, ils arrivent à une suffisance de l'Empire, mais encore, j'aurais pas aimé, mais que l'Empire n'y arrive pas pour X raisons et qu'ils arrivent dans une grosse base et que ce soit un piège et que du coup, le premier ordre subisse une sorte de. Pas une défaite, mais qui arrive à reprendre le dessus et que ça puisse permettre à des personnes de s'échapper, mais qui détruisent et que la résistance est une sorte de base reculée et qu'elle se fasse détruire. Là, ok. Là, je me dirais, d'accord, c'est cohérent, etc. D'accord. Le problème, c'est que là, ils ont un petit vaisseau, ils le bombardent, ils le bombardent, ils le bombardent, ils le bombardent. Ils bombardent autour, oui. Oui, non, mais là, à un moment, enfin, on a tous vu des guerres dans l'espace de Star Wars, mais à chaque fois, mais regarde même Poe Dameron, presque à lui tout seul, il arrive à envoyer, il prend juste son vaisseau, il part, il arrive à péter que des petites tourelles, même à un moment, il y a cette tourelle, enfin, il a plus d'armes, et c'est BB-8 qui arrive à faire marcher, etc. Place, ouais. Et au final, du coup, on arrive, et même un bombardier arrive à détruire le plus gros vaisseau de la planète, enfin, de l'univers, et à chaque fois, donc les résistants arrivent toujours à faire des trucs extraordinaires, c'est génial, mais l'Empire, et encore l'Empire, c'est différent, mais surtout, le premier ordre, t'as l'impression qu'ils ont des choses énormes, mais énormes, et n'y arriveront jamais. Mais comme dit le général Hux, à quoi nous sert une telle puissance de feu si, et c'est toujours parce que par la petitesse de ce qu'on a résistant, ils jouent sur leur force, et encore, ils jouent sur leur force, mais au final, ils perdent vraiment tout. Ils ont plus de base, ils ont plus de flotte, ils ont quasiment plus de soldats, puisque les quelques résistants, et là c'est vraiment le terme, résistants, qui arrivent sur Crète, donc la fameuse planète, là aussi, sur la scène de bataille, meurent, et le reste, les seuls résistants qui restent à ce moment-là, c'est ceux qui montent dans le faucon à la fin. Non, maintenant, on verra s'ils ont un soutien dans le neuf de la bordure extérieure et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Justement, le premier ordre est arrivé, même si ça a été peut-être plus compliqué que tu ne l'aurais voulu, mais est arrivé à la fin d'une opposition. Non, moi, ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me pose réellement problème juste sur cette histoire, parce que l'histoire, elle est que là, c'est qu'au final, on y a un vaisseau et qu'on n'arrive pas à le péter. Oui. Et que aussi petit, aussi même rapide ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, ils ont des traceurs à vitesse lumière. À un moment, les mecs, ils passent en vitesse lumière, c'est genre, vous, tu fais, ok, ils sont tranquilles cette fois-ci. Et là, pour le coup, je prends une première claque, je fais, ah ouais, quand même, c'est lourd. Là, je me suis dit, c'est pas mal, tu vois. Ah bah, plutôt, ouais. Ils ont innové le premier ordre à quelque chose que les autres n'ont pas, en dehors de leur puissance de feu. Je fais, d'accord, ok. Tu te dis, et moi je me dis, mais alors là, comment ils vont faire? Alors là, ce suit le problème de, on n'a plus que 12 heures de carburant, oh mon dieu, qu'allons-nous faire? Ça va être une catastrophe. Tu fais, ok, d'accord, pas de problème, on part dedans.
Et donc, du coup, le premier, ils sont derrière. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Il reste 4 vaisseaux et demi. Ouais, non, c'est chaud. Bon, on va juste les bombarder. On va attendre qu'ils aient plus d'essence. Attendons qu'ils trouvent un plan. Non, mais moi, moi, je pense que c'est là où je te coupe. C'est que, en fait, à ce moment-là, t'as la résistance. Il ne reste que 4 vaisseaux. Et t'as le premier ordre qui a une grosse puissance. À ce moment-là, je pense qu'ils ont une grosse prise de confiance. Parce que se disent, mais ça suffit. Non mais ils ont plus de carburant, ils peuvent plus avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, ils vont mourir. Alors ça sert à quoi qu'on ait forcé le truc. Oui, mais le problème, autant rester là et qu'ils vident leur truc jusqu'au bout pour qu'on puisse les bombarder tranquillement. Après, c'est là qu'ils essayent de faire une sorte de, comment dire, de subterfuge en prenant les petits vaisseaux et en se barrant sur la planète. Mais bon, ils arrivent à se faire retrouver, donc mais ça marche pas. Ils bombardent pas dans le feed. Hein. Ils mettent tous les boucliers sur l'arrière, je crois. Ouais, c'est ça. Ils font ouais. Mais tout derrière, t'inquiète. Non, mais ils visent un peu plus loin. Tu as un coup, tu vas l'avoir. Ils ont vraiment une flotte, c'est-à-dire qu'ils ont le vaisseau. Après, ils ont les vaisseaux de soutien. Ouais, enfin, ils sont tous en train de se barrer. Non, mais attention, là où le premier ordre continue à tirer, ils tirent pas sur le vaisseau pour dire attention, ou dans le vide. Ils abattent toute la flotte autour. Ils abattent vraiment toute la flotte autour. Et là, je l'ai plus parce que c'est assez obscur, mais à un moment, quand on voit. Du coup, alors on part pas tout de suite de ce débat-là, mais quand les vaisseaux, je crois donc Kylo Ren rentre dans son vaisseau, et c'est un moment que j'ai bien aimé, et où il va arriver, il va essayer de détruire le vaisseau de la résistance, où il va plus ou moins rentrer dedans, il va réussir à péter son truc. Il arrive à péter toutes les commandes du truc, donc on fait OK, et après, on va s'arrêter là, c'est bon les gars, stop. Le moment où il veut pas tirer sur l'IA, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais, et après tout le monde dit non, on va rentrer à la base, on est doucement. Et je sais plus pourquoi. Alors pourquoi il le pète pas là? À ce moment-là, parce qu'il y a l'IA, parce qu'il sent l'IA, il y a cette. Oui, Kylo Ren, mais c'est un autre qui le casse. Après, il y a deux vaisseaux qui arrivent et qui le font exploser. Bon, alors pourquoi ils continuent, par exemple, pourquoi les deux vaisseaux rentrent à la base et continuent pas à tout péter? Pourquoi on n'envoie pas tous les TIE du truc et dire bon, bah maintenant qu'on a en plus attaqué l'IA, on a attaqué le général Akbar qui a pas pu dire que c'était un piège au bon moment, et on a pu péter des gros persos, mais continuons. Enfin, un moment, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit que le méchant a toujours confiance. Parce que non, mais moi je réponds à ça, c'est parce qu'à ce moment-là où il y avait une scène de combat, il n'y avait pas une fuite à ce moment-là, il y avait une scène de combat, c'est là où la résistance dit OK, on est dépassé, on fuit. Ils arrêtent le combat, c'est pour ça. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il y a le combat, le premier ordre prend complètement le dessus avec cette scène-là, et là la résistance, et c'est là où ils se mettent en mode fuite, ils nous touchent plus, mais on attaque plus, c'est que là, la résistance arrête le combat. Parce que de toute façon, ils ont perdu beaucoup trop. C'est là où ils ont commencé le bombardier d'ailleurs. C'est juste après que le bombardier ait détruit le. Oui, c'est un peu après. Ouais. Mais ils partent en mode fuite. D'accord. Mais cependant, ils peuvent très bien ressortir leur vaisseau et dire bah maintenant on va les péter. Bah, non, on l'a tous vu dans tous les films Star Wars, il y a toujours des petits vaisseaux qui arrivent. Mais regarde, même tout seul, la résistance. Mais il y a même pas plus. On va même pas dans les autres Star Wars. On reste dans les cohérences Disney. Mais rien que. Ils sont 12 vaisseaux à péter la base Starkiller, ça choque personne. Et on est en mode genre, ouais, ils sont très forts, bravo, félicitations. Ok, d'accord. Par contre, le premier round, un vaisseau, ils ont des milliers de trucs derrière eux. Un vaisseau, bon, non, on va les laisser tranquilles. Mais non, ils les laissent pas tranquilles, je pense qu'ils partent en fuite. Oui, non, mais en fuite, d'accord, en fuite, je suis d'accord. Ils vont pas à une vitesse de ouf. Je veux dire, on voit très bien que c'est possible de les rattraper. Ils sont juste derrière en mode genre presque en attente et ils engagent rien. Leur seul plan, c'est de dire bon, on va attendre et on bombarde. Bah, on bombarde, mais du coup, on décime le reste de la flotte et on peut pas avoir le gros croiseur parce qu'on peut pas les rattraper. Non, mais juste au gré, mais arrête, si t'envoies les TIE ou tout ce que tu veux, ils les rattrapent forcément. Mais les TIE, oui, non, mais le truc, c'est qu'après, je pense qu'ils mettent leur chance de l'autre côté. C'est que eux, si enfin là ils se mettent parce que la résistance, la résistance, ils vont plus avoir de carburant, mais eux, s'ils consomment tout leur carburant derrière, ils pourront jamais l'avoir. Le vaisseau, alors ils en ont plus que ils sont même pas en train de se poser la question. Peut-être qu'ils ont établi leur plan en disant on vide tous les petits chasseurs, comme ça on est sûr d'avoir plus qu'eux, on pourra les bombarder. Non, mais ça, on est dans la supposition. Moi je pense vraiment qu'ils ont plus de carburant que les résistants. Pour moi, c'est pas le problème, c'est que justement il y a cette scène de combat. Que la résistance, voyant son échec, refuse le combat, part à une vitesse qui garde le premier ordre hors de portée. Et donc, à partir de ce moment-là, le premier ordre ne peut que détruire le reste de la flotte, et le fait. Et de toute façon, ce fameux vaisseau qu'ils n'auront jamais, qui finit par être détruit, mais en tout cas, le reste des résistants qui partent dans les vaisseaux de transport, qui ensuite se font canarder d'ailleurs, ils arrivent sur Crète et là se font tuer. Ils finissent, le premier ordre finit par l'emporter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est toujours un petit truc qui arrive que. Et ils arrivent à s'en sortir, et moi je trouve ça dommage, et que ce soit. Enfin, je trouve que c'est incohérent. Bon, après, tu vas dire aux résistants que vous en êtes sortis, je pense qu'ils n'ont pas le même avis. Non, mais ils ont pas le même avis. Mais t'inquiète, mais tu perds quelle grosse figure. Eux peuvent témoigner. Ils perdent très peu de grosses figures, enfin très peu d'emblèmes d'avant. Alors même si on nous dit Général Akbar et ce que tu veux, ok.
mais on perd quasiment rien quoi. Enfin, oui, on va perdre plein de second personnages. Après les personnages principaux, bon, bah, du côté des résistants, il n'y a pas des masses. Non, mais... Après, ils ont quand même perdu, je reviens là-dessus, hein, mais ils perdent toute leur puissance. Flotte, hein. Ils ont plus de base, ils ont plus de flotte, ils ont plus de soldats. Ils ont vraiment plus rien. Oui, je dirais, nous trois, on prend un bâton, ouais. On fait match. Hein. Non, mais d'accord. Et pourtant, à la fin du film, tu te dis pas, oh mon dieu, ils vont pas y arriver. Parce que ça se termine sur une note positive avec ah, ouais, ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais moi, du coup, ben, bref, je trouve que ce moment est incohérent, mais après, ça ne reste que mon avis. Et donc, c'est à chacun de se faire son propre avis, au moins sur, sur ce passage de l'histoire. Donc, maintenant, on va rentrer plus dans le film. Et pour vous, l'évolution de l'histoire, est-ce qu'elle est cohérente avec le 7, oui ou non? Et pourquoi? L'évolution de l'histoire, comment vous la voyez? Est-ce que pour vous c'est une bonne continuité? Est-ce que c'est logique, pas logique? Oui, moi c'est logique. Je pense que dans le 7, tu vois plus la résistance. Et dans le 8, en fait, tu reprends directement au moment où ils essaient de sortir de s'échapper. Pas de s'échapper, mais en fait, ils partent de la base. Quoi. Mm-hmm. Donc tu reprends directement au moment où tu t'es arrêté. Et je pense que le 8, en fait, c'est une grosse aparté au côté Jedi. En fait, tu vois un peu, ils essaient un peu de mettre dans le côté, on reprend là où on était. Donc. Effectivement, ils ont bien réussi, donc tu vois les résistants partir. Là, tu as le premier ordre qui arrive, et là, je pense que ça fait une grosse aparté. Tu fais bon, stop, on va sur les Jedi pendant pas mal de temps. Bon, tu vois quand même que la flotte t'en apprend un peu plus, mais tu pars vraiment sur les Jedi. Donc, moi, pour moi, c'est une continuité, pas vraiment. C'est tu reprends là où t'en étais, mais tu suis pas le fil de l'histoire. Bah, alors, moi, je vois pas parce que bon, si on reprend la fin du 7, Rey trouve Luke. Et à ce moment-là, juste avant, les résistants ont frappé fort sur la base Starkiller. Mmh. La base Starkiller n'a pas pu défoncer, excusez-moi du terme, la résistance avec leur super laser. Mmh. Mais du moins, ils savent maintenant où ils sont. Donc tu reprends au début du 8 avec cette situation de siège, d'assaut sur la base qui fait fuir les résistants. Enfin, voilà. Mmh. D'un autre côté, on reprend avec Rey qui trouve Luke et là l'histoire se développe à ce niveau-là. Bon bah voilà, la suite elle est là, on est quasiment à la minute près. Bon bah oui, en tout cas en termes de développement de l'histoire, à ce moment-là, moi je le trouve cohérente. Donc après, si on va un peu plus loin, on voit la formation de Rey avec Luke. Donc Luke qui refuse d'abord de former Rey et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi. Mmh. Moi, en tout cas, si on parle que de cohérence et de suite... Oui, moi, il n'y a rien de choquant, je veux dire, on est dans l'histoire. Quoi. Non, là, pour le coup, moi aussi, je suis d'accord, je trouve que globalement, c'est cohérent. Bien que, alors après, c'est bizarre, j'ai tendance à relever que les... Alors, je relève beaucoup de défauts. C'est marrant, c'est que quand on termine le 7, donc de mémoire, il fait assez gris sur la planète, on sent que c'est assez obscur, et quand Rey arrive et on reprend dans le 8, il fait super beau. À ce moment-là, sur cette première scène, pour moi, c'est gris. Ouais. C'est sûr et certain, tu verras, il y a le soleil. Limite, avec les yeux qui plissent, là, en mode genre, oh là, mais j'ai pas pris mon écran total. Et du coup, je trouve que c'est une petite incohérence. Ils auraient pu y faire attention, mais bref, c'est pas ça. Mais globalement, je trouve que oui, c'est cohérent. Bon, bah, ils arrivent à retrouver la base des rebelles. Bon, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont réussi plus ou moins à s'enfuir ou à échapper à. Donc au premier ordre. Donc oui, globalement, je trouve que l'évolution de l'histoire, enfin au moins jusqu'au début de l'histoire, ça suit. Et donc du coup, si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter sur l'évolution de l'histoire, est-ce que l'univers vous a plu? Alors moi, je vais commencer. Moi, il m'a plu. Donc j'en ai légèrement évoqué avant. Moi, ça m'a plu parce que on est allé sur des choses que l'on voit peu, des fois trop peu, et là que j'ai aimé sur la force, c'est-à-dire que bon, bah la force, on va pas refaire la définition de ce que c'est. Mais voilà, c'est quand même un élément un peu central de Star Wars. Et là, on a pris, enfin, un peu le temps de la développer. Ça veut dire que Luke, quand il fait sa première leçon avec Rey et tout, il lui dit, il lui explique bien ce qu'est la force, que c'est une énergie voilà, qui entoure tout ce que tu veux, etc. Et il a cette phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui lui dit que ce serait du pur orgueil de croire que la force disparaîtrait avec les Jedi, que les Jedi, évidemment, ont besoin de la force, mais que la force, même sans Jedi, serait là. Voilà, elle est là pour réguler l'univers. Mais elle n'est pas là exclusivement pour les Jedi, etc. Non. Et donc, on a ce fameux plan où ça va un peu vite et tout, mais moi j'aime bien, où elle se concentre et elle ressent complètement toutes les choses, etc. Et ça, j'aime beaucoup, avec en plus lui qui développe derrière, quand elle voit le fameux côté obscur, où il dit, bah oui, sans obscurité, pas de lumière et tout. Et là, on commence à rentrer un peu en profondeur, moins en surface que dans beaucoup de films à ce niveau-là. Mm-hmm. Et ça, moi j'aime en tout cas, ça j'aime beaucoup. Donc, et ça fait partie de l'univers Star Wars à mon sens.
Et ça, c'est une partie de l'univers que j'ai vraiment aimé dans ce film. Moi, je te rejoins pareil. C'est au niveau des gènes, au niveau de la force, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien qu'on approfondisse vraiment le sujet. Parce que c'est un peu ce qui manquait dans les Star Wars, c'est que comment on fait une formation de Jedi, entre guillemets. Enfin, comment le maître apprend à l'apprenti, en fait. C'est ça qu'on connaissait pas. Je sais pas si c'est d'apprentissage, mais du moins de parler de la force et de rentrer un peu en détail là-dessus, tu vois. Tu sais, je sais pas sans parler de formation ou quoi, mais qu'on s'attarde là-dessus, et même sur le côté obscur, hein. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, moi. Okay. C'est au niveau de la force. Moi, quand je dis apprentissage, c'est parce que tu vois Rey tout de suite. Elle a réussi à convaincre Luke. Tout de suite, elle suit. Ils atterrissent direct dans un temple Jedi. Enfin, je veux dire, même le temple Jedi en soi, c'est stylé. À part celui de Coruscant, on a vu aucun. Mmh. Et là, en fait, on voit un héritage. On voit un truc. On sait qu'en fait, à partir de là, les Jedi se sont vraiment développés sur, pas toutes les planètes, mais sur beaucoup de planètes. En fait, ils ont mis des temples Jedi à droite à gauche. Enfin, c'est là qu'on le comprend. Enfin, ils disent que c'est le premier. C'est la base. Oui, c'est là où il y a tous les socles. C'est ça, c'est là où il y a tous les livres des Jedi, etc. Oui, c'est là où c'est la base alpha. C'est la base alpha. C'est pas la base alpha du Jedi. Non, parce que j'ai regardé l'histoire des temples Jedi, c'est pas du tout la base alpha. Est-ce que Disney s'est pas réapproprié le truc, c'est encore autre chose. Peut-être, mais en tout cas, d'après les histoires qu'on en a parlé avant le 8, ils disent que le temple, enfin le principal, en fait, c'était à Coruscant. C'est le deuxième temple Jedi. Le premier, lui, il a été détruit, il a été créé il y a 27 000 ans et il a été détruit. Il s'est fait approprier par le côté obscur. Le côté obscur l'a récupéré. Ça s'est refait sur Coruscant. Donc le Coruscant était devenu le gros temple Jedi connu. Donc si t'avais un truc à faire, si tu voulais vraiment devenir un bon Jedi, il fallait que t'es sur Coruscant. Tu veux dire que Coruscant était le Paris, la ville, j'imagine. Clairement, Coruscant c'était le plus gros temple Jedi qui existait, tu vois. Et là, tu vois en fait que sur des toutes petites planètes comme ça, c'est pas vraiment habité, tu vois qu'ils ont réussi à trouver une sorte de paix, de recul par rapport au monde civilisé et à s'établir sur une toute petite planète comme ça. Et même quand tu vois l'image, quand tu vois le plan incliné, tu vois le gros temple Jedi qui culmine au point fort de la montagne, c'est juste magnifique. Et ça, franchement, c'est un truc qu'on voyait pas, c'est le contour de la force et tout ce qui s'est passé. La mythologie qui peut concerner tout ça. Oui, c'est une sorte de mythologie Jedi, effectivement. Mais franchement, c'était stylé de. On apprend un peu plus sur l'histoire, un peu plus en profondeur sur l'histoire des Jedi. Non, je suis d'accord, moi, sur l'univers, en tout cas. Cette partie de l'univers. Alors, bien que pour le coup, je suis pas spécialement fan de la planète, je trouve qu'elle a rien de particulier, même je trouve pas forcément très belle. Ou pour un premier temple Jedi, je trouve qu'elle manque de gueule. Je pense qu'elle aurait pu être un peu plus mystique, un peu plus. Voilà. Ouais, moi, je trouve qu'elle a ce côté mystique, justement. À part un arbre, je vois pas. Mais t'as pas besoin pour moi de mettre des voitures volantes partout, tu vois. Moi, je trouve que justement. Bon, après, c'est pas le point central. Mais justement, je trouve qu'il y a un vrai côté mystique dans cette espèce d'endroit ultra reculé, abandonné, au milieu de nulle part, avec ce côté obscur. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il aurait pu être exploité de différentes manières. Un truc un peu jungle, un peu abandonné, comme ça a été fait dans beaucoup d'autres. Dagobah, quoi. Ouais, mais dans beaucoup d'autres films, de livres Star Wars. Des temples de Jedi, on en a vu toutes sortes, de pas mal de sortes en tout cas. Et ce qui avait été mis en avant dans tout ce qu'on avait pu voir, c'était des temples Jedi qui étaient au plein milieu d'une jungle, qui étaient abandonnés de toutes parts. Et je trouve que celui-là, on voit pas trop, on sent pas la vie en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de Jedi qui avaient été passés par là. Parce qu'il a été abandonné, parce qu'il a été. Oui, tu sens pas qu'il y a eu forcément. Tu te dis combien il y a eu de Jedi dessus, tu penses pas qu'il y en a eu 50. Non, mais il y en a eu quelques-uns. Ouais, tu vois pas de ruines. Tu te dis pas que cette île-là est le passé qui ait eu énormément de choses dessus, etc. Ça, effectivement, si ce n'est l'intérieur du temple. Mais... Ce que je veux dire, après, j'ai bien aimé le truc là, mais je pense qu'ils auraient pu mieux le développer. J'ai bien aimé aussi ce passage. À chaque fois qu'on est arrivé sur cette planète, dont je n'ai absolument aucune idée du nom. Spécialiste planète. Non, mais je réfléchis parce que je crois que c'est pas évoqué. Alors, en jouant un petit peu à Battlefront 2, il me semble avoir aperçu le nom. Mais parce qu'il me semble qu'à un moment ils le disent, mais en tout cas dans le film, clairement, le dit. Dans tous les cas, même s'il n'est pas dit, encore je trouve que ça devient dommage de ne pas l'avoir dit. Mais après, globalement, dès qu'on est arrivé sur la planète, j'étais content. C'est marrant, du coup, alors moi, vous parlez de cet univers là, pour moi, l'univers il s'arrête pas là, du coup, il y a d'autres passages, mais ce que je veux mettre aussi en avant, c'est que du coup, il y a beaucoup de passages, je trouve, et le fait qu'on ne le cite pas spécialement tout de suite, je trouve que c'est assez significatif, c'est qu'au final, on nous montre une autre planète.
de la pègre. Au-dessus, du coup, on peut voir Finn et Rose. Donc Rose, un nouveau personnage de Star Wars 8, qui viennent chercher... Sur Cantobite, la planète. Voilà, Cantobite. Spécialiste planète, je tiens mon rang. Donc, qui viennent chercher une sorte de décrypteur. De décrypteur afin de pouvoir entrer dans le vaisseau du Premier Ordre, afin de pouvoir désactiver le traceur de l'hyperespace. Tout à fait, le traceur de l'hyperespace. Donc ils vont sur une planète de la pègre où bah, clairement ça pue le fric, hein, il y a du pognon partout, etc. C'est tout l'inverse, c'est la première fois dans Star Wars où on voit justement une planète qui est aussi en bourgeoisie. Et pour autant, je ne l'ai pas du tout appréciée. Enfin, après, ce n'est pas la planète que j'ai pas appréciée, c'est cette période sur le... La période du film sur cette planète, en fait, où je l'ai... Enfin, après, j'attends de voir, j'ai toujours pas compris, mais... Je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir été là-bas. Vraiment pas. Mis à part se faire trahir par... Parce que du coup, alors pour dire exactement ce qui se passe, on voit que Finn et Rose atterrissent là-bas. Ils doivent rechercher justement une personne qui avait été donnée par Maz, disons, une personne qui a tel objet sur lui. Donc c'est une grosse fleur de plume. Voilà, une fleur de plume. Mais qui brille, etc. Donc, ils trouvent un mec. Au final, lui, il préfère jouer au dé. Donc, ils arrivent à aller en cellule. Et au final, ils retrouvent un mec qui peut les aider, qui au final les trahit. Une fois qu'ils sont sur le vaisseau, ils sont à deux doigts d'y arriver, ils se font trahir, pour au final s'échapper et revenir. Enfin, en fait, moi ce que je vais dire sur ce que... Encore une fois, j'ai vomi. Sur ce que tu dis. Bah, alors en fait, moi, alors, cette planète-là, moi, je l'ai bien aimée. Alors après, voilà, je l'ai bien aimée parce qu'on voit quelque chose d'un peu différent. Une planète qui profite un peu de la guerre, justement, hein, qui fait son business là-dessus. Ce que dit Rose à un moment, d'ailleurs. Et donc, et puis par ailleurs, Benicio Del Toro, l'acteur, que je n'ai plus son nom dans le film. DJ, ouais. D'accord. Et DJ, ok. Et donc, bah, DJ. Il paraît qu'il mixe aussi. Il paraît qu'il mixe un petit peu sur Cantobite. Il a des bons sons. Bah, on voyait d'ailleurs, il sortait d'une soirée, je crois. Il paraît que Maz, elle s'enjaille un peu dessus. Franchement, elle est pas mal. Non, mais c'est possible. En tout cas, voilà, moi, la planète, je l'ai bien aimée. En fait, sur ce passage-là, moi, ce que j'ai vraiment aimé, et c'est Théo qui l'avait dit un peu après, et je suis d'accord là-dessus, c'est que, en fait, en général, dans Star Wars, ou même dans plein de films, quand les gentils font un plan désespéré, bah ce plan désespéré fonctionne, réussit et tout va bien. Et c'est le petit truc qui fait que. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que bon, bah, ils partent dans une quête, ils s'en sortent, et là, on voit qu'ils s'en sortent très mal au final, mais ils vous prennent pas la bonne personne. Au final, ils se vendent un peu au plus offrant, qui, ce plus offrant-là, va se vendre lui-même au premier ordre quand offrant. Il sent que ça pue. Que ça pue, voilà. Et il dit d'ailleurs à Finn, un jour, tu te fais avoir, un jour, c'est toi qui as les autres, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé dans toute cette partie-là, c'est que le petit plan qui a été fait en parallèle des quatre résistants qui se mettent en opposition à leur hiérarchie rate, et il ne fait pas que rater, il empire même, puisque le gars, DJ, dévoile le plan secret des résistants de s'échapper par les navettes de transport, et ça ajoute un effet dramatique à ce moment-là où tu te dis, ça y est, les résistants arrivent à partir et tout, ils vont pouvoir aller sur Crète tranquillement, et là, boum, tu reprends encore un coup sur la tête, encore un coup sur la tête. Et en fait, j'ai aimé que pour une fois, dans un film américain, je veux dire, le plan annexe des gentils fonctionne, et même ne fonctionne pas, je veux dire. Mais pire que ça, empire, quoi. C'est un jeu de mots. Et donc, du coup, on a cette... et en plus, à ce moment-là, où t'as le combat avec Rey et Kylo Ren, enfin, t'as plusieurs situations à ce moment-là. Et en fait, tout empire. Et ça ajoute un côté dramatique à l'histoire que moi, j'ai aimé parce que... On critique Disney pour son manque d'originalité, et je veux pas aller contre ça, mais au moins là c'est quelque chose qu'original qui sort complètement du lot de ce qu'on a pu avoir et que je trouve bien et qui rajoute un effet dramatique. Ouais, mais c'est là où je te rejoins aussi complètement, c'est que à chaque fois, enfin quand t'es dans le film, la résistance n'ont quasiment plus d'espoir, et en fait tu tournes vraiment, tu mets tellement d'espoir sur le plan qu'ils ont sur fait. Sur leur petit plan, sur leur petit plan, genre t'as Poe Dameron, il va voir Finn, il fait ouais, il faut que tu passes et tout, avec Rose, ils arrivent à faire un petit truc. Ils arrivent à partir, c'est vrai que tu mets vraiment dessus, tu te dis, enfin, je veux dire, même ils créent même une planète pour leur plan, tu te dis forcément que ça va forcément dans ton fort intérieur, tout le film, tu te dis, c'est ça qui va les sauver à la fin. Bien sûr, ah bah moi, au final, non, bah, c'est ça qui est vraiment stylé. Mais moi, alors pour le coup, je l'avais vu, mais alors à 15 000, qu'ils n'avaient pas pouvoir s'en sortir. J'ai les raté. Ouais. Non, mais bah, je le dis, mais après. Bah, tant mieux, moi je l'avais rentré. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je le vois où clairement, déjà, ils n'envoient pas forcément des foudres de guerre. Ils envoient ceux qui sont Une réparatrice de tuyaux et un mec qui se barre à la moindre occasion, mais c'est pour ça, enfin comment dire, c'est pas un plan de la résistance, c'est vraiment un plan sinon j'imagine qu'ils envoient j'accentue le trait, mais pour me moquer un peu de Finn, au final
Mais ce que je veux dire, c'est pas spécialement ça, c'est que, comment dire, tu le vois, enfin moi je trouve que le fait qu'ils y arrivent avec rien, et j'aurais été le premier à, déjà que je suis le premier à critiquer les nouveaux Star Wars, mais j'aurais trouvé ça trop gros, et j'aurais dit encore une fois, en parallèle en plus de ce que je pensais de l'assaut du vaisseau, ils envoient un truc qui part tout seul, qu'est-ce que c'est? Ah oh, c'est des déchets, on l'a déjà vu dans un film, je crois que c'est dans le 5 d'ailleurs. C'est dans... Ouais, c'est tourné différemment. Voilà, mais en gros, c'est des déchets qui partent. Bon, allez, admettons, encore une fois, ça fonctionne. Mais c'est le bon plan. Hein. Si un jour tu veux t'enfuir quelque part, tu dis que c'était un déchet, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, donc ils arrivent à partir, ils arrivent là-bas. Le fait qu'ils n'y arrivent pas, oui, je trouvais ça cool. Ensuite, ils arrivent à s'enfuir, ils trouvent quelqu'un. Et tu sens que c'est trop dur. Enfin, tu sens que ça s'essouffle à chaque fois. Ils arrivent à retrouver un tout petit élan, puis un petit élan. Et je trouve qu'après, eh ben, moi je me suis dit comment ils vont réussir à s'enfuir clairement de la base, parce que ça va être compliqué. Moi je pensais qu'ils allaient terminer même emprisonnés. Parce que jusqu'ici, du coup. Sur le Canto Bight, tu veux dire? Ouais. Qu'en fait, non, pas Canto Bight, quand ils reviennent sur le vaisseau. Sur le vaisseau du premier ordre. Ils reviennent un peu comme ça en mode genre bonjour. Donc l'autre, il arrive à faire avec toute la magie du monde, il arrive à dire oui, c'est bon, on peut rentrer tranquillement dans vos trucs. Encore une fois, on rentre comme on veut dans les vaisseaux du premier ordre. Mais ce que je veux dire, c'est que juste par un tour de passe-passe, donc ouais, ils rentrent. Et au final, ce que je trouve dommage, c'est que... Enfin, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils sont capturés. Je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, ils vont se faire capturer, et puis point. Et qu'ils vont pas se faire tuer, ils vont dire, bah, vous allez devoir parler, torturer, machin. Et au final, bah, pas du tout. Bah, on va pas en parler tout de suite, mais enfin, voilà, il se passe des choses, genre BB-8 arrive à détruire à peu près tout le premier ordre à lui tout seul, et pour faire court, hein. Et du coup. Ouais, il les sauve quoi, il les sauve. Détruire le premier ordre. Oui, bon, bah, il arrive quand même à conduire des vaisseaux lui tout seul. Oui, bah il, le TRTT, ouais. Alors que bon. Mais bref, admettons, ça c'est une question de point de vue. Mais je trouvais ça encore une fois dégueulasse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ils se font sauver, mais t'as tout le monde en plus. Alors à ce moment-là, si vous avez déjà vu le film, vous allez voir. Enfin, moi j'ai été vigilant à ça, c'est que ils arrivent, tout le monde est explosé, hein, même Phasma a pris lourd dans sa tronche, etc. Mais Fineros, tout va bien. Je veux dire, c'est, ça va. Si tu parles, du moment où le croiseur passe en vitesse lumière, passe en vitesse lumière et écrase le croiseur, c'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Non, c'était ce moment-là. Si, c'est à ce moment-là. En fait, passe en vitesse lumière, il détruit la moitié. Phasma à ce moment-là, elle est pas détruite en tout cas. Non, non, elle est pas détruite. Mais tu sens qu'il y avait tellement de monde, tout le monde a pris lourd et nous, on en a que deux personnes et ils arrivent à survivre. Bon, bref. Et j'ai trouvé, moi, je pensais que voilà, ils arrivent pas à revenir dessus. Bref, ils arrivent à rejoindre les résistants pour dire bon, on n'a pas réussi. Clairement, on n'y arrive pas. Et donc là, ils enchaînent sur les plans. Ils ont même empiré la situation au final. Bon, après, on est parti sur autre chose, mais oui. Après, moi, j'ai trouvé que je devrais. Enfin, en tout cas, t'as pas aimé Canto Bight. Non, mais si, j'ai bien aimé la planète, parce que je trouve que ça, pour une fois, ça change. C'est une planète qu'on n'avait jamais vue. Et dans le dossier podcast, je crois que je le disais, dans Star Wars 7. Allez, l'écouter. C'est qu'au final, non mais je disais, on revoit souvent les mêmes planètes, ça sûr. Donc là pour une fois, ça a changé. Voilà. Et là pour une fois, ça a changé avec un nouveau, des nouveaux habitants et ça. Donc je trouvais ça intéressant. Je trouve que, alors elle a été globalement bien exploitée. Je trouve que tu la vois bien, etc. Bon après, je crois qu'ils s'enfuient, en disant que on leur a mis un bon coup de pied. Enfin, on leur a bien fait mal. Bon alors, ils ont juste pris des sortes de gros lévriers géants, mille lévriers, mille lapins. Enfin, ouais, ce qui sert dans leur hippodrome. Oui, etc. Et puis bon, ils ont juste couru partout dans une ville. Si c'est ça les maîtres à sac, enfin, je veux dire. Non, ils mais ont je payais trois pauvres mecs. Je pense qu'ils ont un peu surestimé les dégâts qu'ils ont fait à ce moment-là. Oui. Mais... Donc, je sais pas si c'était de l'humour ou quoi, mais dans tous les cas, bon, je veux dire que ce soit fait d'accord. Mais après, moi, j'aurais alors. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça me fait pas aimer ce moment parce qu'au final, ils arrivent à s'en sortir. Alors que j'aurais trouvé ça plus intéressant, le fait que. Et là, ça aurait été judicieux. Enfin, pour moi, plus judicieux de dire. Non seulement. Alors, tu perds des résistants, tu perds ta flotte, etc. Mais en plus, les résistants que tu avais envoyés. Et là, Poe Dameron, en gros, il dit j'ai envoyé quand même deux personnes à la mort. Et donc, au final, il a un dilemme entre je dois me sauver moi et mon camp, ou un pote et une personne que je connais presque pas, qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Et tu vois, et c'est là où je trouve que ça aurait été peut-être bien de développer ces choses-là, au lieu de plutôt que bah, ils arrivent à s'enfuir et revenir avec les autres pour recombattre. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Ah, à ce moment-là. Non, mais je trouve que ça aurait pu être exploité d'une autre manière. Ouais. Ce qui fait que du coup, j'ai pas forcément. Enfin, leur fuite du vaisseau, tu vois. Oui, du coup, je trouve qu'il y a plus d'intérêt. Sauf pour dire, bon, bah, on a essayé un truc, on n'a pas réussi, mais on arrive à revenir. Ouais. Moi, du coup, je trouve que ça aurait été mieux qu'ils soient prisonniers et que, bah,
il puisse s'enfuir d'une autre manière que Poe Dameron, genre une mythe qui nous fasse un truc genre comme il sait si bien faire, pourquoi pas dire bon bah j'arrive à vous sauver pour X raison ou pas du tout, ou Kylo Ren qui les remet en bas et en gros à la fin qu'on voit lui, enfin tu vois un truc comme ça. Je vois l'idée. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là du coup Poe Dameron, ils ont plus de vaisseau. Non, ils ont plus de vaisseau, ils sont juste dans leur vaisseau de transport qui sont complètement désarmés et puis de toute façon bah là c'est foncé vers Crait etc quoi. Mais ouais je vois cette idée. Bon moi ça me ça me dérange pas plus que ça. Après, bon surtout que moi j'adore vraiment enfin cette situation de fuite ou même là quand ils voient que ça tu sais où ils sont tous sur les vaisseaux de transport et qu'ils sont en train de se faire canarder parce que leur plan a échoué à cause de Dameron fini tout. Au moment où Aldo leur dit non non continuez continuez tant pis on perdra ce qu'on perdra mais continuez il faut qu'il y ait une poignée de survivants quoi. Mais ouais ok. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'univers du film que vous voulez développer ou on passe sur les personnages? Sur le reste de l'univers, non, je veux pas de. Non. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Sur des animaux, sur. Sur les porgs, tu veux dire? Ouais, on n'a pas parlé des porgs. Non, bah après, il y a que, pas. Est-ce que c'est nécessaire de parler des porgs? Non. Enfin, je veux dire, non, ils sont là, ils existent. Je pense qu'ils étaient censés faire les nouveaux Ewoks, clairement. Après, ils ont été. Tu trouves qu'ils ont la même utilité que les nouveaux Ewoks? Ah, pas du tout. Ils ont voulu en faire un truc genre les oh, ils sont trop mignons. Ah, oui, dans ce sens-là. Et comme les Ewoks. Alors après, ils me dérangent pas spécialement, mais ils ont un côté marrant. Moi, je trouve qu'il y a un moment, ils m'ont fait marrer. C'est quand ils prennent d'assaut, en gros, le faucon millénaire. Ils sont tous dans les fous, le bordel. Je trouvais ça un peu marrant. Ouais. Mais mis à part ça, bon, après, on les entend beaucoup, on les met beaucoup en avant, je trouve. Mais oui, c'est les porcs. Après, je trouve qu'on n'a pas trop vu la côté, encore une fois. Bah, en fait, moi, beaucoup, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, on les voit. Bah, tu les entends tout le temps. Dès que t'as un gros plan, t'entends un porc crier. Non, mais oui, bah, ça peut être. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais eu un petit peu peur avec. Ou cramé, ouais. Il paraît que si tu fais ça en camping la nuit avec un bon petit chamallow, ça passe très bien. Le porc chamallow passe très bien. Et le pire, c'est qu'on avait prévu, encore une fois, le Star Wars 7, on avait prévu le barbecue. On avait prévu le barbecue. C'est la seule chose qu'on a eu, bon. Oui, c'est le barbecue. C'est vrai, c'est vrai. Et après les porcs, moi là où je suis content, c'est que j'avais juste peur que on leur donne une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Et au final, non. Non, mais je trouve qu'elle a été bien mesurée. Pour le coup, c'est le mignon qu'on aime bien, qu'on n'oubliera pas forcément, mais c'est mignon. Ouais, voilà. Donc bon, puis après ouais quelques bêtes à gauche à droite, bon je trouve. On va pas s'arrêter dessus en fait, mais il y a les espèces de ménagères qui sont là pour servir les Jedi depuis des milliers d'années. Ouais, moi si tu vois s'il y a une scène drôle que les gardiens, c'est les gardiennes qui me fait rire, c'est quand on recoupe le rocher et que ça tombe sur la brouette. ça encore c'est pas trop mal. Mais voilà, c'est pas drôle. Ça m'a fait rire aussi. Mais en tout cas sur les là-dessus non, enfin je après au-delà de ça voilà, même les chiens de cristal tout ça, bon bah ils sont là et puis basta. C'était une bonne créature aussi, tu vois encore lui qui descend, enfin il fait ça un petit peu sa petite routine quotidienne. Quand tu vois, il descend, il est avec sa. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Dragon Ball Z. Pourquoi? Bah, tu sais, quand ils vont faire le tour un peu de l'île. Moi, ça me fait penser à Man vs. Wild. On n'a pas les mêmes références, mais ok. Tu sais, genre, il descend avec sa petite gourde et tout, il fait sa petite routine. Il arrive devant l'animal, là, genre, il est en mode bronzette et tout. Il a fait 4 mamelles. Celui où il traîne la guette oreille. Il arrive tranquille, il fait, on peut faire un petit check comme ça, il lui pique un peu de lait. C'est la bête, elle dit rien. Non, mais je pense que ça fait 30 ans. Je sens presque que ça lui fait du bien. J'ai même pu dessiner un sourire. Tu es bien brave, mon petit Luc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fois, je sais pas si c'est cette créature. Et je vais essayer de voir s'il y a pas de nouvelles. On sait déjà ce que c'est. J'ai vu passer, mais j'ai pas retenu. Bah, je vais essayer de. On sait déjà ce que c'est. Tu peux retrouver vite fait, je pense que tu y arriveras. C'est ta mission. Donc voilà. Ok, sur l'univers du film, maintenant les personnages du 8. Est-ce que les personnages, alors sans trop rentrer, enfin, non, même pas, quel personnage pour vous a plu, vous a déplu, qui vous a fasciné, pas fasciné ouais. D'accord, alors. Ou alors on met un personnage au milieu de la table et on dit, ouais, qu'est-ce qu'on en pense. On va cibler les plus gros ou... Moi, en premier lieu, mon personnage que je kiffe vraiment, c'est Luc. Hein. C'est un peu plus donc loin. On met Luc au milieu de la table. Bah, comme disait Florentin tout à l'heure, c'est là où je te rejoins, c'est que il fait tourner le film. Il fait sans Luc, pas de film. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Je suis d'accord. Je veux dire, il y a pas. Enfin, c'est lui pour moi qui est le personnage un peu central. Ouais. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'avais marqué d'ailleurs son petit truc. C'est un peu l'épine dorsale. Hein. C'est sans Luc. Enfin, je veux dire, c'est lui qui fait vraiment l'espoir du film. Et si t'as pas Luc,
Bah, à part Rey qui peut peut-être essayer de sauver, mais avec un côté Jedi improvisé. Elle connaît pas vraiment les secrets du Jedi. Et si franchement t'as pas Luke dans tout ça, les résistances ça s'arrête sur la planète où ils se sont fait détruire. Bien sûr. Et pour moi, c'est ça s'arrête là. Au-delà de ça, en plus, moi ce que je trouve, puisqu'on a Luke sur la table, en fait, moi j'ai trouvé, c'est peut-être ce qui m'a étonné, mais dans ce Star Wars 8 où tu vas t'allais avoir l'éclosion de Rey, où tu vas avoir justement le développement de Kylo Ren, où t'as tout un mystère qui entoure Snoke, où t'avais un gros développement à faire sur beaucoup de personnages, ouais. Et ben je trouve qu'au final le personnage le plus intéressant c'est Luke. Je trouve que c'est vraiment lui le plus intéressant parce que justement il apporte, déjà sa personnalité a changé, on voit, alors on va rentrer là-dedans tout de suite, mais pourquoi Kylo Ren est parti, Ben Solo est parti, on savait pas trop, on se disait il a trahi Luke parce que côté obscur il a rencontré Snoke et basta. Et en fait, on voit que c'est vraiment, c'est un quiproquo, mais on voit justement, c'est l'échec de Luke. Et l'échec de Luke, ce qui apporte aussi une profondeur à Kylo Ren, je trouve. Mais bon, en tout cas, cet échec de Luke qui s'ensuit un petit peu après sa fermeture à la Force, puis sa haine, puis son échec, son déni de tout, jusqu'à ce que Yoda arrive. En tout cas, voilà, moi je trouve qu'en fait, c'est le personnage le plus intéressant. Et je pensais pas que ce serait le cas, même si j'imaginais bien qu'on le verrait d'une autre facette, mais je pensais pas que ce serait de là, à ce point, le personnage le plus intéressant. Quand tu sais qu'il y a plein de nouveaux qui pouvaient être beaucoup plus développés, en fait. Ouais, c'est vrai que le côté, franchement, Rey et Kylo Ren, quand tu vois dès le début, mais quand tu vois qu'elle est sur la planète et qu'elle arrive un peu en rentrant en contact, même le premier contact qu'il y a entre les deux, tu le vois, t'as Kylo Ren qui lui tend la main, et à ce moment-là, il arrive à avoir des gouttes d'eau sur sa main parce qu'il y a une vague qui va à ce moment-là. Enfin, tu te dis qu'il y a forcément une grande force, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est ce qu'ils arrivent à faire avec Layla et Luke. Layla et Luke, ils arrivent un peu à se parler de, pas parler, mais ils arrivent un peu à entrer en contact de cette manière. C'est comme ça que Layla sait que Luke il est vivant. Et j'annonce que Flo m'a dit à ce moment-là, je balance, mais la connexion frère-sœur, Non mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est peut-être un plan qui... Je me suis fait niquer par Disney. C'est peut-être... Rendez-moi mon fric. Non mais ce moment-là, après ce sera un autre débat de savoir si c'est si grave ou pas, qu'ils soient pas frères et sœurs. Tu l'as connu Skywalker avant? Attention parce que moi je n'entérine absolument pas. D'accord. D'accord. En tout cas, à ce moment-là, tu me l'as dit comme ça, rigolant, comme on peut se faire des blagues, mais tu y crois à fond. Ces plans-là sont peut-être faits pour. Après, c'est fait pour, et du coup, je pense que beaucoup de personnes se sont dit, on y a tous pensé un moment, clairement, il y a la connexion. En fait, c'est pas à ce moment-là. Il y a la connexion, tu fais, ouais, ok. Et c'est surtout juste après, Luke et Leia ont la même chose. Et là, tu arrives au même moment. Oh putain. Ouais, tu te dis, le parallèle. Du coup, ça me sautait dessus. Et là, c'était trop gros pour pas le dire, quoi. Donc j'ai dit, ah, ça y est, son frère, la connexion. Même pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué le gros lien, ils te remettent une couche derrière. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça devient presque même trop gros après. Mais après, pour revenir sur Luke, non, globalement, ouais, Luke, alors. C'est un personnage que j'arrive pas à trop à cerner, je l'aime bien et je l'aime pas. Globalement je l'aime bien. Je trouve qu'il a un vrai côté avec la force qui est. Il a perdu tout espoir. Clairement, il est complètement paumé, perdu, déséquilibré. Il a perdu toute foi en tout ce qu'il a cru avant. Donc c'est un personnage que du coup qui est. Enfin moi je trouve qu'à un moment je le détestais dans le film. Je me saoule. Parce que t'as qu'une envie, c'est de lui dire allez vas-y, reprends. Il revient dessus grâce à. Alors là j'étais étonné face à Yoda qui apparaît comme ça en un claquement de doigts, j'ai fait ok. Donc très bien, donc il arrive à retrouver force et foi en la force. Quand Yoda lui dit que l'échec est le meilleur des maîtres. Ouais, c'est ça. Je veux dire du coup ça donne tout son sens après. Après moi Luke et là encore une fois je trouve que Luke est se fait prendre au piège par le scénario en fait. C'est deux choses, et moi je voulais vous en faire part justement ce soir, je l'ai volontairement pas fait pour vous le dire ce soir. D'abord, moi ce qui m'a tout de suite surpris, c'est dès le départ, Rey lui tend le sabre, on l'avait dit dans Star Wars 7, dans le podcast, c'était un super moment qui était émouvant, et on disait putain, quand il va le prendre, ça va être un truc de taré. Et là, quand il le prend et qu'il le jette derrière tu te souviens de ce que je te dis sur cette scène-là? Je te dis blasphème, parce que moi, c'est une scène que j'aime pas. Ça, je veux dire, on reviendra dessus sûrement plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que
Rien que ça déjà, alors la salle a été divisée. Je trouve qu'il y a une partie de la salle qui a rigolé, une autre qui a été en mode genre what. Cette scène-là, de toute façon, elle est faite pour te comprendre deux choses. C'est d'une part, alors Luc veut nier tout ça, c'est derrière lui. Alors ça, à mon sens, ils peuvent le faire comprendre d'une autre manière. Tout à fait. D'une autre manière complètement. Voilà. Genre Luc, le prendre, le jeter, de faire ça. Parce qu'en plus, cette scène-là, avec la fameuse scène de Leia qui vole, on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, ça arrive assez tôt dans le film, et à ce moment-là, voilà. Mais et elle est aussi là, donc cette scène-là, pour faire rire. Enfin, voilà, c'est. Alors moi, je trouve qu'elle est ratée, celle-là. Mais bon. Moi, je trouve vraiment et c'est significatif, alors c'est que ma version des choses, ce n'est que ma vision de Star Wars et Disney. C'est que je trouve qu'elle est donc l'emblème du sabre laser qui appartient à Anakin Skywalker, qui on sait quel emblème c'est, qui revient à Luke, on sait quel emblème c'est dans les anciennes trilogies, et donc maintenant le fait qu'il prenne le sabre et qu'il le jette, je trouve que c'est absolument significatif. Non mais c'est significatif parce qu'il va faire Disney avec ça. Complètement. Moi je trouve que c'est clairement genre, eh bien écoute, oui, voilà ce que c'est, ce que ça représente pour vous, voilà ce qu'on en fait. J'y ai pensé et aussi. Et moi, ce qui m'étonne en plus, c'est que dans Star Wars 7, vous allez vous souvenir, je pense, quand Rey trouve le sabre dans le sous-sol de Maz, il est dans un coffre, il y a tout un. Presque un lot mystique et tout, il est ultra mis en valeur et tu sens que l'arme des Jedi, etc. Et là, tu te dis, waouh, et quand tu vois derrière ça. On peut dire que c'est même le seul sabre Jedi. Enfin, c'est bon, on peut le dire. C'est le seul sabre Jedi, et le seul sabre Jedi qui est mis en avant dans le 7. Il n'y en a pas un seul autre. Non. Et donc du coup tu fais non parce que l'autre c'est une épée donc, après c'est mais passif tu vois c'est juste le seul et t'arrives en disant voilà tu vas avoir une importance etc et donc encore une fois on t'a fait un énorme truc sur ça pour au final s'en foutre totalement et dire maintenant voilà on passe à autre chose et j'ai trouvé ça dommage moi franchement j'ai eu un premier coup de dans le cœur c'est pas possible moi aussi, en dehors de toute l'histoire etc j'ai trouvé ça parce qu'il y a de bonnes choses quand même dans ce film autant là j'ai fait là non là t'as pas le droit tu t'as juste vraiment pas le droit de faire ça c'est vraiment vomir sur tout ce qui a été fait avant mais moi je t'en rejoins complètement c'est que t'as un gros gouffre entre le fait que Luc tu le vois d'une autre manière c'est que Luc il prend le sabre il le jette en arrière c'est un gros blasphème mais il peut le rejeter autrement c'est ce que t'as dit tout à l'heure c'est il peut prendre le sabre laser tu l'aurais fait comment toi moi quand j'en fais justement j'ai examiné Luc il prend le sabre laser il regarderait et genre tu sais il fonce il la bouscule un peu tu sais puis il lui plaque le sabre laser sur le torse tu vois genre elle récupère et il se barre le truc c'est que c'est genre il refuse que... Bertrand moi, toi ta vision alors, moi j'ai je sais pas pourquoi mais on y a tous réfléchi visiblement et moi j'avais cette première idée aussi de le plaquer contre l'eau sans forcément courir ou quoi mais tu sais partir d'une manière ultra cynique mais genre il lui rend et voilà ou alors il repart avec tout simplement mais en faisant bien comprendre qu'il repart avec, mais il repart pas au combat avec quoi. Il repart avec, ok, mais voilà. Mais en tout cas, pas un jeté derrière les gens. Il est direct en fait, il le prend et t'as même pas le temps de quoi que ce soit. Mais c'est juste pour contraster avec cette dernière scène du set pour donner cet effet comique. Ne doit pas être là. Moi, le truc, c'est que Disney, ils peuvent pas faire un moment comique sur ça. Enfin, je veux dire, c'est trop essentiel. Enfin, t'as tellement mis d'espoir dessus à la fin du film. C'est surtout que si tu reviens et que tu mets un moment comique sur cette scène-là, c'est surtout toute l'histoire du set, elle est là. Carrément, bien sûr. Après, du coup, je fais juste mon truc à moi parce que ça me plaît de le faire. Comment tu l'as fait? Alors, pour moi, du coup, Rey lui tend, il le prend. Et donc, pareil, tu vois, il l'observe, il le met dans sa main, il est en mode genre. Et presque, tu sais, la musique de la Force qui apparaît derrière. Mais tu sais, en mode genre, il l'observe et tout. Limite, même, il l'actionne, tu vois, il pourrait. Et là, tu sais, il le ferme. Et limite, tu sais, genre il le laisse tomber tu vois un truc genre vraiment dramatique en mode genre bien lourd tu sens que c'est trop fort pour lui c'est un passé qui lui pèse dessus etc et qui tu sais genre et presque même qu'il pourrait le rendre à Rey c'est limite tiens prends-le si toi tu le veux prends-le et limite, soit il le jette à ses pieds enfin tu sais il le fait tomber il roule à ses pieds en mode genre voilà je te passe le flambeau où il lui retend mais il doit avoir un truc avec ce sable c'est pas juste rien il peut pas juste s'en foutre ça remue beaucoup trop en moi je peux pas le garder c'est trop fort je te le rends ce que je disais juste avant c'est que toute l'histoire du set, ça va être sur ce sabre laser retrouver Luke etc et donc moi j'aimerais savoir et que vous m'expliquiez parce que je ne me l'explique pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ma deuxième pavé dans la mare. Non, c'est pas un pavé dans la mare, mais c'est ma deuxième fois où Luke pour moi est victime du scénario.
c'est que on peut voir que tout le set, Luke a disparu. Le premier ordre cherche, voilà, cherche Luke. La résistance cherche Luke. Tout le monde cherche Luke. Et on a qu'une envie, c'est de trouver Luke. Ouais. Ok. Luke, on le sait, a mis donc une partie là où il est caché dans R2-D2. D'accord. Il le met il y a bien longtemps. Il sait à quoi s'attendre, etc. Donc on se dit, mais quand on va, enfin, faut retrouver Luke, c'est quand il va y avoir de l'espoir, quand il va y avoir quelque chose. On se dit qu'il veut être retrouvé. Il a un plan, une idée d'être retrouvé. Et donc, on en a parlé dans tu sais, quand je t'ai reporté la dernière fois. Complètement. Bah, c'est la même. Enfin, va au bout de ta question, mais je pense qu'on. Voilà. Mais maintenant, je pense que c'est sûr que tout le monde perçoit le truc, c'est que pourquoi Luke a donné sa carte. Je ne sais pas. Non, mais c'est le problème du truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu. T'as plus envie. Tu veux plus être retrouvé, etc. Que t'arrives plus à dire j'ai. Bah voilà. Moi je pense. Reste. Yoda l'a très bien fait. Non mais moi je pense que en fait Luke s'il fait ça c'est que je pense qu'il a il pensait avoir trahi Leïla en disant j'ai pas réussi à former ton fils. Et en fait le fait de donner une carte ça veut dire Leïla si t'as encore confiance en moi si t'acceptes ce que j'ai fait et que tu me pardonnes retrouve-moi. Non moi non. Non mais c'est vrai que moi je me suis posé cette question aussi alors je me dis que. Je me suis fait un peu plein de films dans ma tête, etc. Là où je suis, pas d'accord avec toi, enfin je suis pas d'accord. C'est après c'est la suite qui nous dira. Bah, c'est juste la question. Une raison avec toi, mais en fait, moi voilà, c'est le set. Tout le monde veut retrouver Luke et il y a deux fragments de cartes qui permettent de le retrouver. On sait qu'il en a dissimulé une partie. On le sait. On sait qu'il y a voilà. Et ce que je comprends pas, c'est que quand on arrive sur donc la fameuse planète. On y comprend que lui ne veut pas être retrouvé, qu'il veut mourir ici, qu'il veut plus prendre part au combat. Et je pense que c'était. Il veut même carrément détruire ce que les Jedi. Il veut détruire. Non mais il veut mettre fin. Stop. Je forme. Ouais, voilà exactement. Et ça pour moi c'est déjà son état d'esprit au moment où il s'exile. Et je, en fait, donc cette partie, cette carte, moi je me suis, mais ça me tourne dans la tête depuis des jours et des jours. Je ne comprends pas. Je me reste dans cette idée parce que on parle de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses et où je me dis. Il y a un œuf et je pense que beaucoup de réponses ils veulent les donner à la fin. Mais en tout cas pour moi ça reste une énigme. Ouais, mais encore une fois je trouve que c'est, enfin, tu as beau faire ça, je trouve encore une fois c'est dommage de pas apporter des réponses et devoir attendre la fin. Dans beaucoup tu l'as pas, enfin dans tous les Star Wars, t'as une histoire ficelée. Tu le regardes en une fois, même s'il y a des suites etc. Tu le regardes en une fois, t'as un début, une intrigue etc. Un méchant, une fin et t'arrives à voir un film à la part entière. Là t'as besoin de l'autre pour comprendre des choses. Et à un moment c'est trop. Je trouve qu'on est trop dans. Mais j'adore ça. J'aime beaucoup le dire ah putain et ça fait des théories et c'est ce qui anime nos débats. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va encore en parler. Mais en dehors de ce podcast, mais des dizaines d'heures. Ce que je veux dire c'est que à un moment t'es Luke Skywalker. Pourquoi tu donnes ce fragment? Non mais moi je comprends pas. Alors moi effectivement on était parti sur cette idée de il veut être retrouvé au moment opportun, ce qu'on disait la dernière fois. C'est ça, au meilleur moment en fait, dès que la force sera réveillée. Dès que c'est le moment propice, R2-D2 se réveille et. C'est ce qu'on a tous cru. Et visiblement on a eu tort. Maintenant il reste quand même qu'ils ont posé une base là-dessus qui est tout le film 7. Il faudra pas évacuer ça dans le film 9, il faudra pas qu'ils se disent maintenant l'histoire on est sur autre chose etc. Il faudra pas évacuer ça parce que ça il y a beaucoup de gens et nous les premiers qui l'oublieront pas et il faudra qu'on comprenne pourquoi. Mais c'est une énigme en tout cas. Ou alors peut-être qu'à la limite on sait pas vraiment pourquoi R2-D2 il est désactivé. Il se met en veille parce qu'il représente Luke Skywalker. Luke pose, Luke de toute façon on le voit dans les scènes de vision tout ça. Luke pose la main sur R2 et là tout de suite il se met en veille. Donc c'est justement ça qui nous amène dans cette théorie de il se réveillera quand la force, enfin tu vois. Parce que moi je me suis dit là à l'instant, est-ce que c'est pas possible que par exemple Luke il ait jeté ce morceau de carte, c'est comme ça, enfin il l'ait jeté pour pas qu'il s'y soit retrouvé, mais que ce soit R2 qui l'aurait récupéré, qui prennent l'initiative, mais d'où vient la carte, la donne pas. Si vraiment Yoda, il y en a que un qui sait où est Yoda, c'est Obi-Wan Kenobi qui dit à Luke vas-y parce que c'est là où il va falloir que tu te formes, vas-y. Mais à part si Obi-Wan le dit pas, personne ne sait où il est. C'est ça. Et donc voilà. Mais je remets donc pour finir sur Luke parce que du coup on peut encore débattre des millions d'années. Juste sur la fin, est-ce que vous avez aimé la fin de Luke? Donc on refait le truc. Donc on arrive sur Crète. On arrive sur Crète. Du coup, Kylo Ren et le Premier Ordre essaient d'investir le dernier bastion de la Résistance.
et on pense au, enfin on pense au dernier moment où tout va être perdu, on voit Luke qui apparaît. Alors autant il avait les cheveux courts et là il a, enfin il arrivait les cheveux longs, il était, il avait la barbe, il s'est fait une etc. fraîche haircut, ouais. Ouais, là il était en mode genre pour le, quand, il était de sortie, ouais, clairement il a dit là je vais me présenter aux autres. D'ailleurs j'arrive sur ce moment là est-ce que vous avez remarqué que ce Luke là est le même qui agresse Ben dans la hutte, enfin dans la, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous voyez Luke quand il met son sabre laser, ouais, quand il veut battre Kylo Ren, il va le tuer là. Ah, oui, oui. Et en fait, c'est le physiquement, ouais, c'est la, reprend, sa projection est la même. En fait. Mais alors qu'il change pas, mais bon voilà, en fait, c'est, on, il va affronter Kylo Ren. Alors d'une manière, voilà, on peut encore en débattre. Hein, je pense que l'effet Matrix n'est pas passé inaperçu. Mais où j'ai trouvé ça. Mais ouais, ça a rien à faire là. Ouais. Non. Mais même je trouve que globalement dans ce film, bah bon, c'est encore un autre débat, mais. Les combats de sabre laser sont pas géniaux, mais en dehors de ça je trouve que bon voilà, il arrive en mode bah alors, les méga, enfin ultra méga badass, ouais, il, il surclasse un Kylo Ren avec une puissance, ouais, ouais. Jusqu'au moment où on comprend qu'en fait c'est juste une projection de lui en, la force, et là on fait quand il, Kylo Ren il lui dit, il range son sabre laser, et Luke il fait si tu veux me tuer vas-y fais-le, mais tu vas voir je vais te hanter toute ta vie, ouais, comme va te hanter ton père, comme c'est en train de te hanter c'est maintenant ça. Et là d'un coup il y va, alors j'ai adoré ce moment où tu te dis vas-y mec, enfin faut que tu le fasses quoi. Il le fait, on voit Luke se retourner, on fait mais comment il a pas pu le tuer, là on est tous scotchés, ouais, pour le coup la Disney ils ont fait un truc, là j'ai mais pourquoi, enfin j'ai pas de mots, j'ai bug dans le système, je commence à disjoncter de partout, c'est ce boss de fin que tu ne battras jamais, c'est ça, et au final tu comprends que c'est un hologramme. Bon après j'ai pas aimé le attends si je traverse, tu sais il le pointe un petit peu, genre tu sais à la limite tu dois leur donner un coup et tu comprends quoi, finalement il est juste comme ça. Et bon après c'est voilà, c'est une idée, mais voilà, moi j'ai trouvé que Luke là pour le coup c'était très fort, et quand on le revoit sur son rocher en mode genre ultra force, enfin la force qui était, qui émane de lui, tu sens un truc passer, tu fais là c'est pour moi un des plus beaux moments du film. J'adore. Là clairement j'ai adoré ce moment. Pareil, je suis d'accord, vas-y Théo. Moi pareil, c'est vraiment un gros moment du film. Là tu sens vraiment que Luke il a une grosse force en lui, tu sens que la force elle est présente, qu'il a renoué un peu le lien, mais pour moi je trouve que ça a été un peu vite. Dans le sens où Luke, dans le film, il avait abandonné complètement la force. La force, l'avait pas abandonné. Bah, ça, je comprends, la force, l'avait pas abandonné. Du coup, elle était un peu présente, mais lui, il a refusé complètement. Mais c'était fermé à elle. Hein. Il s'était fermé, mais arriver d'abandonner la force à pouvoir projeter complètement grâce à la force, je pense que Yoda y arriverait, parce que Yoda, il a une très grande sagesse, une très grande affinité avec la force, et parce qu'il a des années d'expérience. Mais Luke, le fait de l'avoir rejeté, je pense qu'il doit avoir un certain temps d'adaptation. Tu veux dire qu'il s'est pas réemployé à ça depuis des années. Oui, voilà, et il y arrive tout de suite. Après, il est très fort. Mais encore une fois, Luke, je pense qu'il n'a pas l'enseignement parfait du Jedi. Il n'a pas fini son apprentissage, et du coup, je pense qu'il a un apprentissage partiel du Jedi. Il n'a pas tout ce qu'il faut, mais n'empêche que. Il a eu le temps quand même. Il a eu les bases. Mais après, grâce au temple Jedi, je pense qu'il a réussi un peu à s'affiner tout ça. Mais est-ce qu'il, tout de suite, à ce moment-là, il est capable de projeter la force? Pour moi, non. Pour moi, après, il peut le faire, mais bon, après, tu te dis que depuis tant d'années, il a pu expérimenter plein de choses. Il a progressé, et il a continué à former des jeunes. Oui, mais pendant tant d'années, mais je veux dire, après avoir formé les jeunes, je veux dire, tu sens qu'il est à peu près jeune. Enfin, je veux dire, il a genre 40 balais, tu vois. Quand Kylo Ren le trahit un peu, il a une genre de 40 balais. Là, il en a 70 ans. Tu te dis, ça fait 30 ans qu'il s'est fermé à la force. Je pense que la force, au bout d'un moment, fait vas-y, tu te fermes à moi, je me casse. Je pense qu'elle est toujours là. Ouais. C'est moi ce qui me dérange plus, vraiment, c'est que au final, il se ferme à la force, il veut plus de la force, etc. Donc tu te dis, il doit être un peu rouillé, je pense qu'il doit avoir un truc comme ça aussi. Et au final, il arrive à émaner tout ça. Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir un peu plus de difficultés. Bon, après, c'est pas vite. Surtout qu'en plus, tout ce côté force et tout, c'est vraiment très mystique. L'apprentissage, encore une fois, bon, tu parlais d'apprentissage, c'est comme Yoda dit à un moment à Luke, il n'y a rien que la jeune reine ne sache pas déjà, ou n'est pas, par rapport à ces fameux livres que Yoda décide de cramer lui-même pour mettre un électrochoc à Luke. Ça, j'ai bien kiffé aussi. Et donc, du coup. Voilà, à ce niveau-là, qu'il y arrive, moi ça me dérange pas, et je te rejoins sur le fait que cette scène-là, elle est vraiment très belle, elle est poignante, elle est prenante. Tu vois, quand il ferme les yeux, il est en mode genre ultra concentré, là tu fais. Elle est vraiment super prenante, et moi aussi, comme toi, j'adore cette scène-là, et j'irai un peu plus loin, le moment où il décide de retourner à la force, avec la musique de la force et le soleil qui se couche et tout. Et le prolongement, en fait, cette scène en entier, moi je l'adore, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, et je trouve qu'au moins là-dessus, tout Disney qui sont, enfin du moins pour ça, je veux dire, Han Solo, Luke, ils ont des fins, tu vois, ils ont des fins. Après, Luke, pourquoi, bon après on va débattre que sur Luke, c'est ça, mais
Pourquoi il retourne à la force, moi je sais pas encore. Bah, moi, ça m'a parlé, hein, parce que Luke en fait il sent qu'il va être plus utile en étant dans la force, en pouvant guider Rey comme a fait Obi-Wan pour Luke, que s'il était présent physiquement. Mais après c'est l'histoire de là, on va sortir de Star Wars. Je pense que il fallait tuer un maître. Non, mais il fallait peut-être tuer un maître, mais tu vois, pour moi c'est l'histoire de tous les grands héros, c'est-à-dire qu'à un moment, pour que le héros termine, valide son combat, il faut que le menteur disparaisse. Et Luke le comprend, le sait, et de toute façon on voit qu'il est épuisé, il se dit que son rôle est ailleurs maintenant. Bon, voilà. Et si on doit donc, parce qu'on va continuer sur les personnages, mine de rien, et si on doit accélérer, même faire plus brièvement maintenant, sur les personnages que vous voulez. Kylo Ren me semble tout indiqué. Kylo Ren ? Ouais, Kylo Ren, vas-y. Bah, ouais, moi je trouve que Kylo Ren, enfin j'ai adoré dans ce film, vraiment, dans tous les sens du terme, dès le début, le fait qu'il soit tiraillé, qu'il veuille. Tout détruire, qui se retrouve face à Snoke, qui prend Snoke, qui l'envoie limite balader en mode mais mec t'es qu'une grosse merde, enfin arrête-toi là, et qui détruise Vador, enfin le fantôme de Vador en cassant son masque et en reprenant dessus et en disant je suis tiraillé par la force et puis voilà, moi je trouve que Kylo Ren il a été génial dans tout le film, je trouve. Par exemple, juste pour rebondir sur notre podcast d'avant, on se disait, si je dis pas de bêtises, ça y est il a tué son père, dans le 8 il va upgrade et au final on voit que le meurtre de son père ça le détraque encore plus que ça ne l'affirme dans son côté obscur. Et moi ça m'a surpris, j'avoue que ça m'a surpris. Moi j'ai aimé Kylo, j'ai plutôt aimé Kylo Ren quand même, même s'il y a des choses j'ai un peu de mal. On va dire que la plupart du film je l'ai aimé. Et d'ailleurs son fameux côté détraqué, l'affaiblissement qu'il subit à cause du meurtre de son père, c'est ce qui lui permet aussi pas d'être connecté avec Rey, puisque ça c'est Snoke qui le fait, mais du moins d'attirer Rey, parce que Rey sent le bon en lui, tout ce que tu veux. Et donc c'est Snoke qui fait en sorte que bien sûr, mais c'est ce qui, le tiraillement de Kylo Ren, c'est ce qui permet à Rey de croire qu'elle peut le ramener, tu vois. Et donc du coup ça sert tout ça. Moi ça j'aime bien, moi ce que j'adore chez Kylo Ren dans ce film, c'est justement le background qu'on apprend sur lui et le quiproquo qu'il y a avec Luke, c'est-à-dire qu'en fait, moi je voyais Ben Solo, peut-être un peu trop brut, mais voilà, j'ai le côté obscur, j'ai rencontré Snoke, tout ce que tu veux, j'ai trahi Luke, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vraiment plus l'échec de Luke qu'autre chose et qu'il l'amène, et ça j'ai aimé en fait qu'on apprenne ça sur Kylo Ren, que ce soit pas un ado qui fait sa crise d'ado, mais que ce soit un mec qui se sentit trahi. Moi je le trouve génial du coup, enfin je trouve que cette période où, enfin, ce moment où tu vois que Luke et lui ont pas du tout la même vision des choses, et c'est juste un quiproquo entre les deux, et que du coup Luke il a senti le côté obscur en lui et il a voulu le tuer, mais c'était juste une passade en genre deux secondes, et Kylo Ren il le sent parce qu'il est puissant, et que là ça en suit quelque chose, enfin après ça reste encore, on sait pas vraiment ce qui se passe encore après, et là tu fais what. Et je trouve que Kylo Ren du coup je le trouve génial, carrément, je suis d'accord. Et donc alors là où je vais où ça a un peu retombé pour moi, le soufflet retombe un petit peu, tu vois, c'est donc il se passe toute cette scène où il tue Snoke, où là t'as ce gros retournement de situation, ou comme diraient les connaisseurs, les plot twists, enfin tu vois, où là tu te dis ok, retournement de situation inattendu, tu fais ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et donc il se bat avec Rey, l'espace d'un instant, et pendant, on croit qu'ils vont s'allier pour le futur. Là, il y a un éventail de possibilités. Du coup, je te le rends et tu m'as dit que c'est Luke le méchant. Ouais, complètement. En fait, j'explique ma vision des choses, et complètement, je me suis dit, les deux vont avoir la même vision de peut-être de ce que doivent être les Jedi ou comment doit être dirigée la galaxie. Ils vont enfin s'entendre sur une certaine base d'équilibre de la force, je ne sais pas. Et que Luke, à ce moment-là, voulant empêcher tout retour des Jedi, va s'opposer à eux. Tu vois, je voyais un peu la chose comme ça. Je me suis trompé. Et donc, du coup, en fait, moi, là où je me dis « Aïe, Kylo Ren », c'est juste qu'il vient de tuer Snoke, il a tué Han Solo, tout ça. Voilà, il a quand même... D'ailleurs, il détruit tout le monde un peu en part. Ouais, complètement. Non, mais c'est ça, il commence à avoir un vrai palmarès et tout. Au final, on voit qu'il il veut pas s'allier avec Rey. Non. Enfin, il veut pas retourner du bon côté, il est gentil, tout ce que tu veux. Il a failli, je sais même pas s'il a failli au final. Je pense que c'est un mec vraiment dépendant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas... Parce que, en fait, moi, ce qui m'en tenu un peu, c'est qu'après tout ça, et ben même à la toute fin ou quoi que ce soit, je le sens pas encore méchant. Je vois pas encore grand dominateur de l'univers. Je le sens pas encore badass. Je le sens encore presque tiraillé. Il revient dans le 9. Je suis même pas étonné, tu vois. Et c'est juste ça qui m'embête un peu. C'est un moment, j'ai envie de lui dire allez, c'est bon, quoi. Mais on a tous envie de le pousser un peu à faire ça. Et c'est pour ça que quand il le fait avec Luke, pour moi, c'est le moment où il va se dire ça y est, je vais être totalement émancipé. Au final, il y arrive pas, etc. Mais à un moment, on doit avoir une dernière scène sur juste son visage. Enfin, on le voit un peu avec Rey, mais genre en mode, c'est genre relevé, genre déterminé, genre je vais tous vous défoncer un par un, parce que toute ma vie, ses yeux jaunes de cite. Mais c'est une victime. En fait, Kylo Ren, c'est juste une victime. C'est la victime de Luke, c'est l'échec de Luke, c'est lui qui empathie tout le monde, en fait. Il empathie le premier ordre, enfin,
Si le premier n'y arrive pas, ils ont placé de la puissance en lui, etc., mais ils l'ont pas aidé à se former. Enfin, c'est toujours une victime, mais c'est pas la victime en mode genre j'y arrive pas, tiens, faut me plaindre, etc. C'est juste qu'il essaie de faire des choses, mais il va pas y arriver parce que c'est trop fort pour lui ou machin, et qu'il est tiraillé et autre, parce qu'il arrive pas, quelqu'un lui a pas donné son enseignement total. Et du coup, je trouve ça. Ouais, c'est un produit pas fini, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir vraiment ce que va donner Kylo Ren dans la suite. Moi, en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Bertrand, c'est que tu dis qu'il est pas capable d'assumer tout ça, un peu de diriger la galaxie. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour qu'un élève devienne son apogée, c'est qu'il faut qu'il détruise le maître. C'est ce qui a fait complètement Kylo Ren, c'est qu'en détruisant son grand-père, donc par le casque, c'est là, pour moi, en fait, c'est là où il devient vraiment le Sith, c'est qu'après tout ça, il a tué Snoke. Et tu regardes, il y a avec le commandant Hux, le général Hux. Là, tout de suite, tu sens le côté Vador, c'est que le général, il arrive vers lui, claque, tout de suite, il prend l'ascendant, il arrive direct à. Enfin, il prend l'ascendant sur lui, il arrive à reprendre le commande de la flotte, mais ce que tu dis, c'est qu'après, quand il arrive face à Luke, c'est que. Il avait tout ça, mais je pense que c'est un gros manque d'expérience qui fait que. Un gros manque d'expérience, un côté haine qu'il a envers Luke. Ce qui fait que du coup il arrive vers lui et il paraît un peu pas affaibli, mais il perd un peu son sang-froid. Et Il le perd totalement, même quand il perd son sang-froid. Tout le monde, le premier ordre donne tous les missiles qu'il peut avoir sur Luke, au final Luke. Et c'est là que j'en reviens dessus plus tard. Mais Kylo Ren, il a repris le contrôle de sa vie, il a repris tout ça, il sait qu'il est le plus fort, c'est juste que tu sens qu'il a un truc, qu'il lui manque quelque chose, et c'est forcément de tuer Luke. Et là, quand Luke il arrive devant lui, il sait que si jamais il arrive à tuer Luke, il va pouvoir carrément devenir, enfin, pas le plus fort du monde, mais. Il y a toujours un problème avec Rey, mais une fois qu'il aura passé ce il sent qu'il peut avoir quelque chose avec Rey aussi. Oui, il peut avoir un truc, mais après avoir tué Luke, il peut passer un cap. Et pour moi je pense que le cap il est déjà passé et qu'il s'attarde trop sur le fait d'être avec Luke. Et si je pense qu'il met Luke, s'il met Luke de côté, pour moi en fait il deviendra beaucoup plus fort. On va clôturer le chapitre Kylo Ren. Est-ce que vous voulez parler de Leia Organa? Ah bah attends, enfin, 2 minutes, vraiment 2-3 minutes, 2-3 petits points. Tu sais comment ils l'ont appelé, parce que j'ai regardé un peu sur internet, ils ont dit que c'était le jumping shark je m'explique. Alors en fait je remets dans le contexte, Kylo Ren veut aller détruire la plateforme de commandement des résistants. Donc il arrive à tuer tout le monde, dont la Mirella Ackbar. Enfin non, il ne tue pas du tout le monde, pardon. Donc il n'arrive pas à tirer, mais les personnes qui sont avec lui font en sorte de mettre un gros tir dans la passerelle, ce qui fait que tout le monde explose. On revoit tout le monde, on revoit surtout Leia en mode congelé. En mode expulsé dans l'espace. Expulsé et congelé dans l'espace. Là on pense qu'elle va mourir, gros plan sur elle, et là tout de suite la main qui commence à bouger. Et par un système de force, je ne sais quoi, elle arrive, elle revient dans le vaisseau et elle s'affaiblit, elle flotte telle Mary Poppins. Voilà, mais elle arrive à revenir dans le vaisseau en mode tranquille. Mais alors qu'elle résiste à tout ça, et après, tranquille, après elle est blessée, mais ça va. C'est complètement impossible parce que on l'a tous vu, enfin même sûr qu'il y a eu des expériences, même dans le réel, dans notre monde, parce que là on se met à part de Star Wars, c'est que dès que tu vas dans l'espace, t'as plus d'oxygène, t'as plus rien, et du coup, au-delà de ça, mais je veux dire, ton corps, ça reste comme des êtres humains, même si t'as la force, ton corps se rétracte, est absent d'oxygène, et du coup, même malgré le froid, ton corps, il devient un glaçon. Honnêtement, Théo, je vois ce que tu veux dire, mais t'es pas obligé de te lancer dans des explications scientifiques là-dessus. Non, mais c'est pas ça, c'est un peu dans le truc. Mais Leila, normalement, tous les jours, elle doit mourir. Et c'est en fait, j'ai lu que apparemment, s'ils ont fait ça, c'est parce que Carrie Fisher, en fait, elle est morte en vrai, et que en fait, Disney voulait faire, elle est morte, mais pas vraiment pour nous. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'espace, c'est bien raté en tout cas. C'est bien raté en tout cas. Oui, non, mais en fait, ils l'ont mis là-dedans, et enfin, ils l'ont mis en train de mourir. Sauf que elle revient, c'est un peu une sorte de. Oui, elle revient. Ça me fera pas valider. Ce qui est dommage, c'est que pour moi, toute cette période-là, elle va représenter Leia Organa, et Leia Organa morte, pas morte, etc. Je trouve que dans le film, elle a très peu d'importance. On la voit petit peu, elle dirige, etc. Elle est sympa, elle est en mode Leia, mais comme dans le set. Et qu'elle garde son statut, elle garde sa position. Mais le seul truc qu'on se souviendra d'elle, c'est qu'elle revient grâce à de la force dans son vaisseau, et point. Non, je trouve que ce personnage est quelque chose. Ce que je voulais dire, pardon,
c'est que d'ailleurs c'est pas Jumping Star, c'est Jumping the Shark. C'est en gros dans un vieux film, c'est t'as un mec en fait, il est sur la plage et il veut impressionner tous ses amis et en fait il met un requin dans la mer et il veut passer dessus en ski nautique. Sauf que en fait donc tu vois t'as un gros plan sur le requin, t'as plein de trucs, t'as le gros suspense. Sauf qu'à la en fait il saute, il se passe absolument rien et c'est complètement ridicule. Et c'est là en fait où ils disent que c'est Jumping the Shark, c'est que en fait t'as Leila, elle est dans l'espace, t'as l'impression qu'elle est morte, elle se réveille. Elle va vers le vaisseau et elle rentre dedans et c'est complètement ridicule à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est impossible. C'est raté, ça a rien à faire là. Je comprends pas, image ou pas image, clin d'œil. C'est raté, c'est n'importe quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De Leia, ok. Est-ce qu'il y a un personnage que... Poe Dameron, vite fait. Très vite fait. Ouais. Poe Dameron, lui reste dans son rôle de tête brûlée pour moi. Ouais, moi, j'aime bien. C'est ce que j'aime bien sur lui, il m'a fait plus d'impression dans le set, on va dire, mais ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'on voit qu'il n'est pas infaillible et que, pareil, bah, malgré tout Poe Dameron qu'il est, et bah, il fait des erreurs dans ses choix, dans ses plans, et j'ai bien aimé voir cette facette de lui. Voilà. Par contre, je trouvais habile au combat un peu trop pour moi, parce que autant il est très fort, autant y a des chasseurs qui le poursuivent, il arrive à tout esquiver, etc. En mode genre, je survis tout le temps. Et je trouve que c'est dommage qu'on le rend beaucoup trop fort, parce qu'après tout, c'est pas comme un sabre laser, c'est pas comme la force, c'est pas comme tout ça, où il est, même s'il est très bon pilote, tu prends un tir de blaster dans ton vaisseau, tu pètes quoi. Donc moi je trouve ça, même si j'aime bien le personnage et que j'ai bien aimé la façon dont il le développe et on le voit beaucoup mieux, beaucoup plus dans le 8 que dans le 7, mine de rien, globalement je l'aime bien, mais pour moi il faut qu'ils arrêtent de le rendre trop fort. Est-ce que vous voulez parler de Finn? Où on le passe, où à la cave. T'inquiète pas, non, bah après moi, Finn, comment dire. En fait, pour moi, il est dans sa lignée du 7. C'est-à-dire qu'il agit toujours avec courage et maladresse, on va dire. Et puis, bah voilà, dans le 8, il est toujours dans ce rôle-là d'agir pour le bien, mais pas forcément avec talent. Là encore, il échoue par le plan qu'ils ont formé avec Poe Dameron et compagnie. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et les nouveaux personnages. J'exclus BB-8, mais les nouveaux persos. Je sais pas, Rose, machin. Ah, d'accord. Est-ce que les nouveaux persos, ça vous a bien plu? Allez, plus, pas plus. Plus, moi, c'est la gonzesse qui reprend le commandement. Aldo. Aldo, moi. Celle qui a tué les dinosaures dans Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Ouais. Autant dès le début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à foutre? T'as l'impression qu'il y avait un peu trahir la résistance. Tu le vois dans l'œil de Poe Dameron, en fait. Ça, par contre, c'est bien fait. Au final, la déteste à un moment. La détestes complètement, mais au final, tu la kiffes carrément parce qu'elle permet à tout le monde de s'évader et elle se sacrifie pour la résistance. Tu comprends, en fait, que c'est une vraie pragmatique. Pour moi, elle est un peu dans le management à l'ancienne. J'explique pas mes choix, mais je sais que mes choix sont bons. Et moi, j'aime bien son côté. Et Rose? Rose, bon, bah du coup, la sœur de Paige, la défunte Paige, elle est là, je l'ai pas tout. Comment dire, pour moi, elle fait pas tourner le film, hein. Après, elle est pas inintéressante. C'est l'élan d'espoir. C'est l'élan d'espoir, oui, c'est non, mais c'est la petite étincelle. Fallait mettre quelqu'un avec Finn pour faire le plan, etc. Non, mais c'est le petit côté, je sais pas si elle a de la porte de la fraîcheur ou pas, ce serait peut-être un peu dur, enfin, gros de dire ça, mais elle est là, et c'est pas un personnage ridicule. Moi, d'ailleurs, juste pour finir, je reviens sur la générale, là. Aldo. Aldo, merci. Spécialiste planète, c'est ça. Rien à voir. C'est qu'au final, déjà si je peux violer, non, je rigole. Non, bah viens, tu Harry Potter, on le sait. mais ce que j'ai pas aimé, ça a été. Enfin, je trouve que c'est trop facile, mais c'est encore le scénario. Mais je trouve que le fait que le vaisseau. Elle arrive à retourner le vaisseau elle toute seule, le temps que le vaisseau se retourne, le premier, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et dernièrement, ils font oh mon dieu, on sait ce qu'elle va faire, elle va nous sauter dessus. Et là, elle passe en vaisseau de lumière, et pile poil, elle calcule. Je trouve ça trop gros, c'est pas possible, c'est pas faisable, on désacralise l'hyperespace. Non mais je le dis, c'est à chaque fois on le passe, on sait pas, c'est tu vas d'un point A à un point B, etc. Bon là elle le prend, elle le met en pleine tronche, et je pense que même si ça va vite, elle doit, enfin je sais pas, c'est l'impact doit exploser. Enfin je sais pas, ça m'apparaît bizarre et je trouve trop obscur. Ok, bon je pense qu'on a fait globalement le tour des personnages. C'est marrant que tu parles pas de Snoke. Tout à fait. Snoke. C'est marrant que tu parles pas de Snoke parce que pour moi ça reste la plus grande énigme. Pour moi, Snoke c'est l'exemple type de il y a un œuf. Attention, je m'attends pas à le revoir, on a bien vu sa langue qui pendait, tout ça. Mais en fait, Snoke, on parlait des énigmes de la carte de Luke. Snoke, on sait qu'il a rencontré Ben ou que Ben a rencontré Snoke, vous voyez ça comme vous voulez. On sait toujours pas comment. On sait toujours pas d'où il vient.
On sait qu'il maîtrise la force, que c'est visiblement un Sith. On sait que Luke le connaît, on sait qu'il connaît Luke, on sait qu'il a rencontré Ben, mais tout ça, bon bah on n'a pas de réponse. Il est mort. Moi j'espère qu'une chose, c'est que pareil dans le 9, toutes ces questions là seront pas évacuées. Non mais c'est terrible, c'est qu'il y a énormément de questions en suspens. Non mais oui, et toutes ces questions là, et puis après j'en ai d'autres, mais je les réserve pour plus tard. Mais en tout cas, Snoke, comme on en est au personnage, bah je suis très curieux de savoir quel rôle il va jouer dans le 9, qu'est-ce qu'on va montrer de lui, parce que... Non mais moi, enfin, je veux dire, dans le 8, alors, j'avais qu'une hâte, c'était de voir Snoke, ce qu'il était, pourquoi. Il est hyper puissant, enfin clairement la force, lui pour le coup, à côté, Luke Skywalker, enfin c'est rien du tout. Attends, je sais pas, on a vu des choses de Luke. Regarde comment Luke est concentré, regarde Snoke. Snoke, limite, il est en train de bailler, il boit son café, il lit son journal, et à côté, il est en train de faire en sorte que Rey et Kylo Ren, il se parle à des milliards de kilomètres. Kylo Ren, il se prend de l'eau sur la tronche. Snoke, il est limite. Je suis sûr que ça l'a fait marrer. mais ce que je veux dire, c'est que il est hyper puissant, il est carrément balèze. Tu fais, mais comment tu vas faire pour le tuer? Et au final, il n'arrive même pas à prévoir. Il a prévu sa mort. Il a prévu sa mort sans savoir que c'était lui. Oui, il... c'est ça. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'il dit il retourne le sabre contre son véritable ennemi, etc. Sans savoir qu'il parle de lui. Ouais, c'est ça. Bon, après, ce moment-là, après, quand il le transperce, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. Et au final, il se fait couper en deux. Bonjour, au revoir. Allez, on tire le rideau. Alors, merci, Snoke. Ouais. Et j'ai trouvé que ce personnage, du coup, il devient plus que décevant. Je trouve que j'avais beaucoup d'espoir quand je le voyais dans le set. Je me disais, putain, mais il y avait tellement d'énigmes sur lui, on en parlait même encore moi, enfin il m'intriguait tellement. Et je trouve que, alors encore une fois, il faut que j'attende le 9 pour, Disney veut vraiment que j'utilise tout mon argent pour, enfin je leur donne tout l'argent possible, mais encore une fois je trouve qu'il va falloir attendre encore des années pour voir qui est Snoke, et encore on n'est même pas sûr qu'ils nous disent qui est Snoke et que ça plaise. Et il apparaît, il détruit un peu tout le monde, et puis il se fait avoir de la plus simple des manières. Il pose le sabre, encore une fois en manque de vigilance, il n'arrive pas à voir que Ben va le retourner. Là on voit le sabre, en plus le moment où le sabre doit se tourner, il doit sentir un élan de force. Justement, c'est que là où il se fait un peu avoir, c'est que Kylo Ren, en fait, il a dans son esprit de retourner le sabre, mais le sabre qu'il a dans sa main, sauf qu'au même moment, en fait, il retourne les deux. Il retourne le sabre contre Rey et le sabre contre Snoke, lequel il va activer. Il n'est pas au courant que le sabre à côté de piston. Oui, je pense que mais tu peux le ressentir. Il est tellement puissant à la force que ça doit pas lui être. Oui, mais il est tellement concentré dans Kylo Ren de savoir ce qu'il va faire. Il sait qu'il a le sabre. Imagine que ça se termine comme ça. Enfin, je veux dire, Snoke, il peut pas. Normalement, il devrait pas mourir de cette manière. Je pense que aussi puissant que tu le fasses, c'est une personne genre qui vient de maîtriser la force, qui se rend pas compte. Ok, là, Snoke, il doit mourir d'une autre. Enfin, de mourir. Non, qui meurt, ok. Mais. Et ça pouvait être que par une trahison. Ou un truc qu'il puisse pas du tout anticiper parce qu'il est tellement puissant. Que ce soit, mais alors à la limite que tu vois genre je sais pas que Kylo Ren tu vois genre Snoke qui vient à côté, Kylo Ren il prend le sabre mais tu sais il le plante au dernier moment pour dire je prends un truc comme ça genre, moi j'aime bien sa mort, c'est juste toute l'énigme qu'il y a autour qui m'intrigue, et moi c'est pour ça j'aurais presque envie de dire, en fait, pour pas vous le cacher, j'ai voulu mettre Snoke dans mes flops et après je me suis dit je peux pas encore le mettre dans mes flops. Ça en sera trop. Non, mais je veux dire, si je le mets tout de suite dans mes flops, alors que derrière on découvre. Oui, il peut encore y avoir des trucs. Mais voilà, donc c'est pour ça. En tout cas, moi, comme on disait, le plot twist, le retournement incroyable qu'il y a à ce moment-là, j'aime beaucoup avec la scène derrière du combat de sabre contre les gardes impériaux. Enfin, je la trouve très belle. Maintenant, Snoke, en tout cas, j'étais très surpris. Très surpris. Ça marche. Du coup, est-ce qu'on passe sur les top et flop ou on continue sur les personnages? Non, c'est top et flop. Top et flop. Donc, allez. Allez, Bertrand, cette fois-ci, ton top à toi. Mon top à moi. Alors, mon top à moi, écoute, j'ai décidé, en fait... Alors, on revient après, c'est ce qu'on vient de dire sur Snoke. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce Star Wars, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonnes surprises. Alors, je m'explique. Dans ces bonnes surprises là, c'est par exemple l'histoire de Kylo Ren et Luke, ce fameux background qu'on découvre et qui pour moi est super surprenant. Enfin, le fait que Luke ait voulu tuer Kylo Ren et qu'il en dise plus sur Kylo Ren et qu'il le rende plus intéressant, ça j'ai aimé parce que je l'avais pas vu venir. Ce fameux retournement de situation entre Kylo Ren et puis Snoke, où là ça ouvre un champ de possibilités incroyable. J'ai aussi aimé le plan, j'en ai déjà parlé, mais le plan raté des rebelles qui ajoute un effet dramatique à l'extinction des résistants, et en fait j'ai aimé toutes ces balayages de théories divers et tout, et je trouve que il y a eu beaucoup de surprises et qu'elles sont dans l'ensemble positives.
Donc ça, c'est tout ce que j'avais pas vu venir, bah, je le mets dans mes tops. De toute façon, tout ce qu'on peut voir maintenant de Disney, c'est que dès que tu prévois un truc, c'est exactement ce qui va pas se passer. Ah, c'est ça. Mais c'est impossible de faire des théories. C'est ça, mais il faut que tu trouves le truc le plus farfelu. Ouais, comme le barbecue. Presque. Ah, comme le barbecue. Non, mais c'est un truc. Il faut trouver un truc genre improbable et c'est là que ça tombe. Ouais. L'entre des maraudeurs, la seule émission où on avait prévu un barbecue sur l'île de Luc. Théo, ton flop, ton top. Mon top, bah moi ouais, ça reste Luke Skywalker. Luke Skywalker, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, franchement, parce que c'est l'épine dorsale de la trilogie, parce que pour moi, c'est ce que j'ai marqué, c'est qu'il a réussi brillamment à reprendre possession de sa vie. Mmh. Je m'explique, c'est parce que dès le début, il a complètement perdu espoir, enfin il a abandonné la force, tout ça, et parce que Rey arrive, et il voit peut-être un élan d'espoir qu'il avait perdu dans Rey, et là il arrive à se reconstruire dans tout ça, il arrive à retrouver le Luke qu'il était avant. Et moi, pour moi, c'est un gros retournement de situation. C'est un plot twist. C'est pour moi, c'est un plot twist. Donc, nickel, franchement, bien réussi. Moi, ce que j'ai aimé, pour rebondir sur ton top, c'est... Non, mais effectivement, moi, Luke aussi. Hein, et je suis toujours étonné que ça soit le personnage, à mon sens, le plus développé de ce film-là. Pour moi, je trouve que c'est le plus développé. Moi, je te rejoins. Je sais pas si c'est... Enfin, comment dire, si ça a été un bon choix de ne pas en développer plus un autre que lui, mais bon, après, en tout cas, dans ce film-là, oui, bah, comme on a dit tous les trois, Luke, c'est vrai que ouais. Alors je voulais faire sur Kylo Ren, et au final, je pense qu'on a un peu tout dit sur Kylo Ren, et donc je vais prendre un personnage dans lequel on n'a pas encore parlé, étonnamment, c'est Rey. puisque je le mets dans mon top, parce qu'au final, bien que. Alors, et ça, c'est l'aspect de Rey que j'aime moins, c'est qu'elle. Ses cheveux longs ? Non, j'aime bien ça. J'aime bien ses cheveux longs. Mais non, ce que j'aime moins chez elle, c'est qu'encore, bon, bien que la force est puissante en elle, elle apprend beaucoup trop vite. Enfin, pour moi, il y a Luke lui apprend rien de toute façon, ou très peu de choses. Ah, oh, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il lui fait ressentir. Enfin, justement, ce qui développe de la force autour d'elle, il lui fait comprendre ce que c'est cette énergie. Oui, ouais, d'accord, mais c'est tout. Au final, du coup, qu'est-ce que tu voudrais de plus ? Bah non, mais tout, qu'elle arrive à maîtriser une force, qu'elle arrive à comprendre. Enfin, c'est pas facile. Et j'ai l'impression que même si ça, la puissance, elle est en elle. Il faut du temps, Anakin a mis du temps, Luke a mis du temps, Obi-Wan a mis du temps, Yoda a mis du temps, Mace Windu a mis du temps, tout le monde a mis du temps, sauf Rey. Rey, en trois claquements de doigts, elle arrive à faire tout ce qu'elle veut, et c'est dommage. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que même Mace Windu, Anakin... Pour moi, Anakin, c'est l'un des plus jeunes Jedi... Enfin, comment vais-je exprimer ça ? C'est l'un des plus jeunes et des plus forts en même temps, donc il a pas mis tant de temps que ça. Mace Windu, qu'est-ce qu'on sait qu'il a mis du temps ? Non, mais tout le monde, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis des années avant d'acquérir une sagesse, avant d'acquérir un pouvoir. Elle arrive à très vite de s'en approprier les faits, et donc du coup elle enfin, parce que, mais c'est pas sur ça que je vais débattre, c'est plus sur ce que je vais mettre en avant sur Rey, c'est qu'au final ce personnage je le trouve quand même fascinant, où je sais pas, elle arrive à développer plein de choses, elle incarne bien le Jedi aussi mine de rien, ouais. Du coup je trouve que, et un moment que j'ai vraiment adoré, ce qui fait qu'elle rentre dans mon top, c'est que elle c'est un des premiers personnages qu'on voit passer du côté obscur. Réellement, en fait, ouais. elle arrive à entrer, donc quand on voit l'épisode où elle ressent toute la force, et là elle ressent l'attrait du côté obscur qui l'appelle, et elle, pour le coup, elle fonce dedans. Ouais. Et elle se dit pas, comme tous les Jedi, genre, je vais pas y aller parce que si je me fais tenter, etc. Non, elle y va, et en plus elle y va, et elle l'affronte. Ouais. Et c'est là où je trouve qu'elle est plus forte. Elle y va consciemment. Voilà, elle y va, elle affronte, tant pis, même si elle va voir, elle sait pas ce qu'il attend, mais elle y va, elle a pas peur, etc. Et du coup, j'ai trouvé Rey, du coup, ça en faisait vraiment un super personnage, un super héros. Et je la trouve attachante, et je la trouve géniale, et je trouve que elle, pour le coup, son évolution, alors la manière dont elle évolue, il y a débat, mais son évolution, je la trouve géniale, et je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le Star Wars. Ouais, je suis d'accord, moi je la trouve très bien aussi. Je parlais tout à l'heure de la force et de ce qu'on montre. Là aussi, on plonge sur autre chose avec ce fameux côté obscur et la manière dont elle y va consciemment et elle y fait face, etc. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et oui, Rey en général, en tout cas, ouais, c'est clair, enfin, elle est. C'est une bonne actrice et le personnage est réussi. Ça fait partie, comme on disait, hein, mais de ces persos qui te donnent envie d'aller voir les films. Quoi. Après, moi, je veux juste rebondir un petit peu. Ça enlève pas son côté top de ce que t'as mis, mais elle fonce pas dans le côté obscur. Elle est au niveau du trou parce qu'elle a la curiosité, mais t'as une sorte de force à les pousser en fait dans le trou. Après, une fois qu'elle y est, je suis d'accord qu'elle lui dit résiste, n'y va pas. Enfin, elle lui dit carrément de pas y aller. Oui, et elle dit parce que lui, Luke, il a eu peur quand Yoda lui a fait, tu sais quoi, sur Dagobah. Il lui a dit qu'il y avait le côté obscur, il y a été et il a eu un peu les jetons, tu vois. Il a pas. Non, mais ça a été l'épreuve, mais il y a été vite fait, mais il s'est fait tout de suite terrasser. C'est ça, c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est un peu l'expérience de Luke qui a fait non, faut pas que tu ailles parce que tu vas te faire terrasser. Or, parce que, enfin, Rey, elle a une force
supérieure à Luke dans ce côté-là, c'est parce que elle a la, comment dire, la curiosité, mais à la fois elle est très. Mais c'est un vrai attrait du côté obscur, la curiosité. Oui, ça c'est carrément, mais elle est, comment dire, elle est. Attirée. Non, oui, elle est très belle. Mais non, c'est, elle est. J'ai pas mon mot. Enfin bref, et, du coup, malgré qu'il y ait, je suis d'accord qu'elle arrive à affronter le côté obscur, et ça, franchement, c'est une vraie force pour elle, mais elle y est pas. Elle n'y a pas été de son plein gré. Elle n'a pas tout fait pour résister. Elle y a été, elle est devant, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, elle y est, mais tu sais pas, peut-être qu'elle va regarder et qu'elle va s'en aller. Le choix scénaristique du fait qu'elle tombe dedans, comme la caméra le montre, c'est clairement qu'elle se laisse basculer. Elle résiste, elle devrait dire non, j'y vais pas. C'est, elle dit, en plus, surtout qu'elle le sait que c'est l'obscurité, puisque justement Luke lui rétorque à ce moment-là. Et elle le ressent. Ouais, voilà, et puis Luke lui dit à ce moment-là, quand elle résiste, dit. Parce que à ce moment-là, elle dit, il y a la force, c'est ça et tout. Et après, elle fait, mais je sens aussi autre chose, l'obscurité et tout. Et là, elle y va, et Luke lui dit, sans lumière, pas d'obscurité, etc. Elle le comprend, elle conscientise, parce que depuis le début, dès qu'elle ressent un truc dans la force, la vie, la mort, la beauté, la destruction, enfin tu vois. Et là, la lumière. Et l'obscurité, et là c'est là où elle tombe. Elle y va un peu après d'ailleurs, où elle dit j'étais attiré et j'ai voulu y aller quoi qu'il arrive, je voulais voir ce que j'y trouverais. Et c'est là que Luke commence à flipper sur Rey, disant oh là mon dieu, je vais recommencer ce que j'ai fait. C'est ça. Ok, vos flops, Bertrand. Alors mon flop, j'en avais noté deux. Bon, je vais y aller à la simplicité, mais le vol de Leia, je. Enfin voilà, je pense que à toi Théo, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus de ça. Ok, d'accord. Moi c'est Finn, encore, je crois que c'était mon. Non, c'était pas mon flop de la dernière fois. Non, moi Finn parce que en fait. C'était ton monsieur Moule. C'était mon monsieur Moule, effectivement. Ça peut être un monsieur Moule ou un monsieur Bourg, tout ce que tu veux, parce qu'en fait, tout le long du film, il fait partie, donc les trois quarts du film, il est sur le plan qui ne servira à rien. Alors pour moi, en fait, il est dans le flop parce qu'il est inutile. Je te rejoins, mais c'est ce qu'on a dit dès le début, c'est qu'il est dans le plan, il essaie de faire des choses, il y retrouve encore une fois pas de son plein gré, il est là par hasard, il veut s'enfuir, il se retrouve dedans contre son gré, etc. Et au final, du coup, moi je trouve qu'il amène pas ou peu de choses, mis à part un élan d'héroïsme à la fin, on a tous cru qu'il allait mourir. Et pour au final, il ne le fasse pas. Que du coup, c'est Rose qui se pseudo-sacrifie, parce que je pense qu'elle ne mourra pas. Ah, elle est morte, Mais voilà. Mais du coup, quand. Non, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, c'est là où elle l'embrasse. Bref. Mais oui, Rose embrasse Finn. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi non plus, j'ai pas aimé le personnage. Et plus les minutes passent avec Finn, et plus moi je l'aime, et il devient même quasiment insignifiant. Bah, pour moi, je trouve qu'il est toujours. Évidemment, on peut pas dire qu'il a sauvé la galaxie, mais loin de là. Mais je trouve qu'il a pas sauvé la galaxie non plus, qu'il reste dans le personnage qu'il doit être. Moi, ça me choque pas plus que ça. On le met vachement en avant pour ce qu'il est. Tu le vois régulièrement, mais à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est un peu le personnage principal, mais qui pourrait être secondaire. Non, mais pour moi, c'est jamais un personnage principal, finalement. Pour moi, c'est jamais un personnage principal. À partir du moment où t'es sur l'affiche de film, non, t'es un personnage principal. Pas forcément. Non, mais après, je sais pas, il faudrait définir principal ou pas. Moi, je trouve qu'il est là, il fait partie des acteurs, des personnages que tu suis. Maintenant, je trouve qu'il est ce qu'il est. Je préfère voir Finn comme ça parce que ça me paraît cohérent plutôt que de voir Finn avec un sabre laser moi, je le trouve dans son rôle. Moi, mon flop, du coup, je vais vous le dire, eh bien, c'est les blagues, c'est l'humour Disney qui arrive trop dans Star Wars. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes chez Soja, si vous les avez vus. Pour moi, il y en a beaucoup trop. C'est, à un moment, c'est plus possible. Encore une fois, je sais que c'est mon gros côté romantique et qui n'aime pas que tout soit chamboulé par des nouvelles choses. Qu'il y ait de l'humour. Oui, pourquoi pas, j'adore l'humour. Mais là, il y a trop. Luke qui jette le sabre, ça fait rire tout le monde. Chewbacca qui prend le porg sur le feu et qui essaie de le bouffer. Bon, ça me dérange pas. À la limite, c'est pour donner un petit côté parce que tu sais que Chewbacca est là, faut qu'il fasse un truc. Non, mais je n'étais pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup trop dans toutes ces choses-là. Il y a tout le temps des petites blagues, même quand Luke il se fait canarder et qu'il arrive, genre. Il fait son mouvement. Grain de sable, genre. J'ai juste une petite poussière sur l'épaule. Enfin, sur des gros moments, on te met de l'humour. Alors, je les ai pas tous repris, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de
de d'humour dans ça, même quand Yoda il dit tu m'as manqué Skywalker etc, en disant c'était toujours aussi bidon qu'avant, enfin non mais franchement j'étais là où est le sérieux, enfin à un moment il va enfin dans ce film je trouve qu'il faut du sérieux parce que Star Wars reste un film sérieux, enfin, voilà dans dans l'esprit hein. Et je trouve que en développant ce côté humoristique ça désacralise Star Wars et je trouve que ça le rend beaucoup moins intéressant. C'est vrai que comparé à avant, enfin les seuls moments d'humour que t'avais dans Star Wars c'était entre Anakin et Obi-Wan, hein, c'était les deux seulement parce qu'ils étaient complices. Oui, t'avais quelques trucs, mais c'était pas très léger, très acceptable. Alors, enfin, vous oubliez vite la menace fantôme, mais non, mais t'as Jar Jar Binks absolu, ouais, ouais. Oui, mais t'as Jar Jar Binks si tu veux, mais ce que je veux dire c'est que il est lourd, il est chiant, mais il voilà, comment dire, c'est pas... toutes ces scènes sont là pour faire rire, hein, Jar Jar. Oui, oui, non, mais c'est la race qui fait que c'est tous les Mugans comme ça sont un pas ridicules, mais ils sont très différents des humains. Après, en tout cas, le côté, ce fameux côté où effectivement ils jettent le sable pour faire rire, ça je trouve ça nul. Non, mais sur plein de trucs comme ça, il faudrait les refaire tous un par un, on reviendra peut-être un jour dessus. Mais je trouve que là, du coup, il y en avait beaucoup trop, et trop d'humour tue l'humour, et là, clairement, ça devenait plus drôle, et je trouvais ça même presque pitoyable. Donc voilà pour nos top et flop. J'enchaîne donc sur ma nouvelle track du rodeur cette semaine. 3 jours et 3 nuits de poursuite, sans manger, ni se reposer, et aucun signe de notre gibier. Alors que peut bien raconter un rocher ? Et donc la nouvelle track du rodeur va consister à quelques petits films. On va pas y avoir plus de gros débats, c'est juste savoir quelle position vous mettez dessus, est-ce que vous trouvez ça super, est-ce qu'il y a un signe ou non. Bref. Donc, je reviens sur les parents de Rey, parce que ça anime un peu les choses, et bien que je sache, je sais que vous êtes déjà bien positionné sur la chose, nous ne connaissons absolument pas les parents de Rey, et si je vous dis que pour le coup ce n'est pas enterré, et que les parents de Rey, bien que Disney ait dit que non, nous ne les avons pas vus, ouais, ça pourrait quand même être quelqu'un, ou quelque chose, ça pourrait être toujours une Skywalker ou pourquoi pas, et on laisse toujours une porte ouverte, puisque au final, on sait très bien que le côté obscur est un adepte de la manipulation, donc ils vont faire en sorte de tromper les personnes. Le fait que Kylo Ren dise à Rey, non mais écoute, tes parents ils sont morts dans une fosse, etc., enfin, qu'ils sachent tout ça, elle tombe dedans, est-ce qu'elle limite, elle n'est pas victime d'une manipulation, et au final, il cache la véritable identité de Rey, à ses yeux. Alors en fait, à ce niveau-là, moi je pense pas. Dans le sens où, dans cette fameuse scène, il lui dit « Tes parents, je sais qui ils sont, et toi, tu le sais ou tu te le caches. » Et c'est plus ou moins elle. Alors lui, il ajoute ce détail de la fosse commune de Jakku, mais c'est, je crois que c'est elle qui commence à dire... Pour que de l'eau, je crois. Qui est vendue pour de l'eau. Et je crois que c'est elle qui commence à dire, si je me souviens bien, « Oui, je le sais, elle commence à fondre en larmes parce qu'elle prend conscience elle-même, c'était des vulgaires ferrailleurs, etc. » machin. Oui, c'est une peur qu'elle avait, parce qu'on voit quand même un vaisseau partir, etc. Peut-être, si mais c'est des vulgaires ferrailleurs qui ont un gros vaisseau. Pour moi, dans cette idée, cette fameuse... J'aurais pu mordre à cette théorie si c'est Kylo Ren qui lui avait tout balancé, mais là c'est pas le cas, t'as l'impression qu'elle a une vraie prise de conscience à ce niveau-là, avant même que Kylo Ren en rajoute une couche, c'est pour ça que moi j'y crois pas. Théo ? En gros, tu demandes une théorie, qui sont les parents de Rey, quoi, c'est ça ? Non, pas spécialement, c'est ce que tu crois qu'elle est victime d'une manipulation. Non, pas du tout. Moi je crois surtout que c'est à ce moment-là quand elle rentre dans le côté obscur sur l'île, là, sur la ligne 2. Non, on le sait pas. On sait pas. Toujours pas. On le saura dans le 9. sur le gros trou noir, là, quand elle rentre dedans. Tu sais, elle voit dans le miroir, elle fait qui sont mes vrais parents, et là, elle se découvre elle-même. Et j'ai l'impression, est-ce que elle, ce serait pas une fille de la Force, tu vois ? Non. Genre un peu à la Luke. Oui, ça pourrait très bien être. Après, à un moment, je sais pas pourquoi, mais moi, quand je vois, c'est pas peut-être parce que j'y crois tellement que. Enfin, j'y crois tellement. C'est que j'ai eu l'impression, à un moment, de voir Leia. C'est presque un truc, je sais pas pourquoi. Et sur les deux fois où je vois le film, deux fois où je me dis oh putain, et en final, non. Non, mais oui, ça pourrait très bien être. On sait tellement pas qu'au final, oui, pourquoi pas. Elle s'expliquerait tellement de choses aussi sur elle. Donc, qu'elle soit là pour. Après, tu peux tout à fait être un Kidam et devenir quelqu'un. Enfin, on sait que t'as pas besoin d'être une lignée de la Force pour être fort, etc. Je pense que cette image avec ce fameux miroir où elle voit deux personnes arriver, au final, elle ne voit qu'elle, c'est pour bien signifier t'es les. Encore une fois, tu es toi, point. Ok. Du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à la fin du Star Wars 8, donc dans le faucon, il y a des livres qui sont placés ici. Il y a des petits livres donc, qui sont là. On ne se doute pas que Chewbacca soit un gros fan de la littérature intergalactique. Non, ou que Han Solo fasse des échanges avec les librairies en contrebandier. Ils sont où les livres ?
Clairement, je sais plus, mais dans D'accord. le flacon. Et du coup, il y a des livres qui sont ici. Et les livres, apparemment, ce seraient des livres qui seraient issus. Donc, le Faucon Millennium, où est-ce qu'il était avant ? Sur l'île de Luke, mm-hmm. sur Luke City. J'appelais ça Porg Island, moi. Porg Island, c'est même Porg Island. Dis donc, il est sur Porg Island. Il y avait que sur Porg Island des livres. Bizarrement, le Faucon, il arrive sans livre, il repart avec des livres. Est-ce que les livres, moi, je pense, ils peuvent venir forcément que de là. Et est-ce que du coup, c'est pas. Il y a un gros plan, je crois, dessus. Et est-ce que c'est pas justement la clé que Rey cherche pour pouvoir recréer le sabre, recréer toutes ces choses-là ou non ? Peut-être. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ces livres vont l'aider à quelque chose ou pas du tout ? Je ne l'exclus pas, c'est possible, effectivement. J'avoue que j'ai pas fait attention à cette scène des livres. Je ne l'exclus pas, non, effectivement, c'est possible, l'avenir nous le dira, je ne l'exclus pas en tout cas. Non, pareil, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais oui, pourquoi pas. D'accord. Vous aimeriez pas ? Qu'elle utilise ou pour vous c'est un accessoire comme ça. Faut voir comment c'est amené. Faut voir comment c'est amené, pourquoi il se trouve là, ce qu'elle va en faire, etc. Si c'est réellement le cas, pourquoi pas. Et brièvement, donc pour terminer, donc il y a des histoires d'amour qui se développent un petit peu dans Star Wars. Est-ce que vous pensez que Rose et Finn vont terminer ensemble? Oui, moi ouais. Je crois, ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que Rey et Poe vont terminer ensemble? Non. je pense que Rey finit vraiment seul. Je pense que Rey va terminer seul et que Finn avec son histoire développée avec Rose et Rose qui lui sauve la vie, etc. Et puis il y a un moment où il lui jette un regard sur Canto Bight ou quand Rose explique son histoire. Je trouve qu'il, enfin voilà, c'est pas de la pitié qu'il y a dans le regard, c'est plus, enfin moi je vois plus de l'amour, mais après voilà. Puis la suite du film me donne presque raison, enfin même raison. Enfin lui il est plus que choqué hein, quand il la voit ou quoi. Ouais. Il va la découvrir la première fois. Mais tu vois en tout cas moi j'y crois d'autant plus qu'à mon avis Rey finit vraiment seul, donc j'y crois, ouais. Ok, oui voilà, donc c'était bon, c'est une très d'ailleurs très courte, ouais. Mais là, ça a été très difficile de trouver de nouvelles théories sur Star Wars 8, même si on va en développer un peu plus tard, restez à l'écoute. Voilà, on en aura peut-être un petit peu après, mais voilà pour ce qui est la track d'ailleurs, est-ce que j'ai trouvé, on va dire, peut-être de mieux de ce qui a pu être mis en avant sur le film. D'accord. Donc maintenant, le MVP de Rey. Eh bien, mon MVP cette semaine, donc en sachant que sur le podcast 7, j'avais mis Luke Skywalker, donc je me suis dit, je vais trouver un autre MVP. Et donc j'ai fait un back-to-back, puisque c'est Luke Skywalker. Oui, back-to-back de Luke Skywalker. Alors, je l'avais vu à 15 minutes. En fait, j'ai vraiment réfléchi. Je vais dire tous par sec. Mais oui, j'ai mis Luke Skywalker. J'hésitais avec Yoda, en fait. J'ai vraiment hésité. Et j'ai quand même décidé de mettre Luke. On a presque tout dit avant. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant de Luke, mais au final, oui. Bah, tout simplement, parce que je trouve que c'est son personnage le plus intéressant, soit à mon sens le plus développé. Son échec avec Ben, sa relation avec Rey. La manière dont il explique la force, sa vision des choses ultra fataliste avant le retour de Maître Yoda, où ce dernier lui explique que l'échec est la base de tout enseignement, que c'est le meilleur des maîtres, tout ça. Puis à la fin, évidemment, il sauve ce qui est les miettes de la résistance, mais voilà que sa dernière scène, ça meurt comme on a pu vraiment évoquer avant. Pour moi, c'est le personnage de ce film, c'est le MVP de ce film. Rien à dire. Non, mais après, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur Luke, hein, je suis clairement d'accord avec toi. Le MVP, le film le fait en sorte qu'on le mette très vite en avant, qu'il est très très fort, etc. Tout à fait. On a des chroniques qui sont très très courtes ce soir. Très très courtes. Et on a tellement débattu sur ce qui a été dit avant. C'est vrai. Très bien. Et bien, merci Bertrand pour ce nouveau MVP cette semaine. Ça m'a fait plaisir. Et donc, du coup, nous allons partir sur la dernière chronique. Alors, cette semaine, il n'y aura absolument pas de quiz. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on a trop peu de connaissances sur Star Wars pour en faire quelque chose d'intéressant. Même pour les auditeurs, je veux dire, ils peuvent pas répondre. Là, c'est compliqué, on n'a pas tout en tête. Donc, du coup, on a préféré développer quelques théories supplémentaires et ensuite. Pour le 9. Et après, et voir ouais, sur le 9, sur quoi on pense enchaîner et voir si. Et on verra dans 2 ans si l'avenir nous donnera raison. Du coup, Théo, tu gères la chronique. Je gère la chronique. Théorie, elle va y aller en 3 points, dont un qui n'est pas vraiment une théorie, mais plus un avis. Déjà, le premier, c'est au niveau du General Hux. Mm-hmm. C'est ça ? Attends, je vais le faire. General Hux et Kylo Ren. Alors, on voit qu'au bout d'un moment, enfin, quand c'est à la fin du film, ils sont pas potes. Tu sens que Kylo Ren, il a pris l'ascendant sur le General Hux. Mm-hmm. Et est-ce que vous pensez que le General Hux pourra prendre le dessus par une trahison sur Kylo Ren, ou que Kylo Ren va finir par tuer Hux pour prendre le plein pouvoir ? Moi, je pense vraiment que Kylo Ren va tuer Hux.
Pourquoi? Alors on va bien voir ce qui va résulter du premier ordre, tout ça. Bon, là ils sont au top. Je pense que Kylo Ren, lui, il le dit un moment, je vais en finir avec la résistance, avec le premier ordre, avec tout ça. C'est pour ça que moi je le vois un peu comme un personnage indépendant qui a sa vision des choses et point. Et en tout cas, moi je pense qu'il veut utiliser la puissance de feu du premier ordre pour mener à bien ses plans, peut-être avec ses chevaliers de Ren qu'on verra peut-être un jour aussi. Et donc moi je le vois vraiment tuer Hux aussi, parce que pour moi l'histoire elle est plus basée sur la force, l'équipe de la force que tu veux, plutôt que sur l'ascension de Général Hux ou ce que tu veux. Moi je le vois vraiment le tuer. Il va vouloir être vraiment le seul commandant à bord, à mon avis, à un moment. Et ouais, je pense qu'il va le tuer Hux. Tu penses que le Général Hux il pourra pas revenir sur Kylo Ren et genre faire comme un code 66 et plein. Non, absolument pas. Pour moi, je vois pas ça au-dessus de Kylo Ren. Pour moi, il va essayer de le faire et il va se faire détruire. Oui, voilà, par exemple, ouais. Ouais, par exemple. Genre, et il va essayer de dire un coup de blaster, un truc comme ça. Mmh. Genre, il va faire, il paraît une fois, deux fois, trois fois, il lui tranche la tête. Ah oui, oui, bon, alors, non, Disney, oui. Ça fera pas ça, il y aura des papillons, il y aura des zombies qui traversent. Et non, évidemment, il y aura des trucs bien à côté. Hein. Mais ça va pas être aussi sanglant, mais je pense que ça va se terminer de cette manière. Ouais, donc, ouais, en tout cas, oui, je pense pas. Oui, oui, enfin, clairement, oui. Du coup, donc là, c'était pas vraiment une théorie, mais... un avis ouais, c'était plus une théorie par rapport aux autres. Mais là, le deuxième avis, en gros, c'est... on en a parlé un peu de Snoke, et surtout des chevaliers de Ren. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, à votre avis? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, je l'avais noté dans mes petites théories pour le 9. Je pense que les chevaliers de Ren, ça va être un peu leur moment. Parce que, encore une fois, j'espère que ça va pas être un truc complètement évacué, comme la mort de Snoke ou quoi. C'est-à-dire, je pense que si on ne les voit pas dans le 8, on s'attendait tous à les voir dans le 8, je crois. Eh bien, c'est pour le 9. Et justement, je pense que Kylo Ren, avec sa poignée de chevaliers, va essayer de, bah, voilà, de battre Rey et de d'installer un nouvel ordre, on va dire. Et donc, en tout cas, moi, je pense qu'on va les voir, qu'il va aller les chercher. Où ils sont maintenant, je ne saurais te le dire. C'est vrai que c'est compliqué. Et tu, au Chevalier de Rennes, tu t'en as parlé d'autres gens ou pas? Ouais, de Snoke. Ah, de Snoke. Ouais, mais on en a parlé tout à l'heure, donc Snoke, c'est vraiment... Bah, je pense qu'on apprendra des choses. C'est même évident, sa rencontre avec Ben, elle me paraît évident. Il nous montre ça en sauce depuis deux films. Il y a un moment, je pense qu'on va savoir quelque chose. Moi, j'ai du mal avec les Chevaliers de Rennes. Je pense que s'il fallait les introduire, c'était maintenant. Après, il faut voir encore de quelle manière ils vont les introduire dans le 9, s'ils l'introduisent réellement. Tu penses qu'ils peuvent être évacués complètement? Qu'on a entendu parler des Chevaliers de Rennes sans qu'on les voit à aucun moment? Bah, je sais pas, mais en tout cas, je me dis qu'au final, ils vont pas être très puissants. Soit puissant, non. Non, parce que le problème c'est que du coup les chevaliers de Ren, Kylo Ren, on se doute bien que Kylo Ren c'est le leader des chevaliers de Ren. Ouais, bah, c'est dit. Ouais. Le truc c'est que quand tu vois qu'il a ses chevaliers donc, et que ses leaders c'est forcément le plus fort, mais on voit pas forcément un Kylo Ren ultra puissant. Donc du coup, si je vois des chevaliers de Ren, je m'attends pas à ce qu'ils soient très puissants. Après, ils vont peut-être le mettre au même niveau et faire en sorte que oui, mais pendant ce temps-là ils se sont entraînés pendant de longues années et Kylo Ren aussi, et qu'ils vont se retrouver en major ultra fort. J'y crois pas, parce que pour moi il doit être le leader dans ce film. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire c'est que lui aura acquéré une autre sorte de pouvoir, et bien que les chevaliers de Ren se soient développés, il sera toujours plus puissant, mais ils seront tous plus forts en fait à ce moment-là. Et les voir, je suis curieux de les voir. Après, je pense qu'on les verra, mais voilà. Ouais, non, en tout cas, pour moi, ça me semble évident qu'on les verra. Et moi, j'attends aussi beaucoup par rapport à ce que tu dis de cette fameuse histoire entre Snoke et Ben, cette fameuse rencontre et cette association qui aura duré jusqu'au 8. Moi, j'ai hâte de découvrir ça parce que, mine de rien, c'est un truc qui reste totalement suspens. Quoi. Alors, du coup, de ça, j'en ai donc, une théorie. Donc, c'est des personnes que j'ai regardées sur Internet qui avaient dévoilé à peu près ça. Donc, apparemment, les chevaliers de Ren seraient possiblement la garde du corps rapprochée de Snoke. Non, jamais. Jamais, Non, j'y crois pas une solution. Et puis surtout que si c'était la garde rapprochée, déjà je vois pourquoi ils auraient attaqué Ben sans. Bah justement, moi j'y pense parce que je pense qu'ils ont tous voué à une sorte d'allégeance à Snoke. Et le fait que Kylo Ren trahisse Snoke, est-ce que. Ouais, mais ils sont sans pitié, enfin il n'y a aucun. Il n'y a aucun gros plan, on voit trop. Jamais, mais... ouais. Puis, d'ailleurs, moi je reviens dessus, je fais la partie, enfin j'y crois absolument pas. D'ailleurs, je trouve que cette scène de combat, elle est presque. Enfin, elle est pas belle du tout. Ah, moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'elle va dans tous les sens, elle est pas propre, elle est pas bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bons combats Star Wars nous avait habitués à de. Alors peut-être des trop longs, mais des combats que tu t'estimes, au moins il y a un peu de résistance, etc. Là, il y en a, ils sont deux contre une 8 à peu près, je crois. Et ils les battent tous un par un. Au final, tu as plus de mal quand tu es en 1 contre 1 que quand tu es en 4 contre 1.
Ouais, mais après, voilà. Mais pourquoi j'y trouve pas. Enfin, moi, je l'aime bien cette scène. Et pourquoi je pense que c'est pas des chevaliers de Rennes. Parce que de toute façon. Ah, c'est... Oui, moi, je l'ai écarté direct. C'est... Non, pour eux, ce l'est pas du tout. Parce que c'est des gardes impériaux. Ouais. Ils font ce qu'ils savent faire. Mais voilà, face à Rey et Kylo Ren, je les vois mal. Elle est belle parce que Kylo Ren et Rey se battent ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat en lui-même, il est pas beau. Dans l'action, le moment où le sabre vole jusqu'à Rey comme ça. Non, mais c'est vrai. Et puis au début, c'est complètement ralenti. Puis ça s'agite un peu derrière. Enfin, il y a avec la tête là. Ouais, j'ai trouvé ça too much. Avec la tête. Et tu sais, quand Rey elle balance le sabre laser à Kylo Ren, lui l'active, moi je parlais du délire qui va, enfin, qu'il est vraiment en danger, qui reçoit, qui l'active et qui tue, enfin, qui transperce la tête du mec qui est en train de le maîtriser. Moi je parlais pas de la fin du combat, mais du début justement. Après, moi, le combat, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a pas à être plus fort que ça. Non, parce que c'est des gardes impériaux. Oui, mais moi je pense qu'il aurait pu être mieux fait. Et je le trouve pas bâclé, mais il va trop vite, il est pas beau. Je le trouve vraiment pas beau. Ok, bon, je sais pas, moi j'ai bien aimé. Pourtant, j'adore les combats de sabre laser, mais j'ai pas du tout kiffé ce truc. Deuxième petite théorie, donc là c'est de ma part. Est-ce que vous pensez que donc les chevaliers de Rennes, ça va être des seigneurs Sith, mais des combattants Sith, c'est ça? Ouais. Avec un sabre laser. Alors, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que déjà, Luke leur confirme dans le 8, Ben s'est enfui avec une poignée de ses élèves et ils ont foutu tout à feu et à sang. Donc, clairement, c'était des Jedi en initiation. D'ailleurs, c'est pas des ménagères. Donc, enfin, les gardiennes. Ils ont possiblement suivi le côté de Rey de Kylo. C'est que des petites gardes. Ce serait intéressant. Donc, ils ont possiblement suivi le chemin de Kylo Ren en devenant Sith. Après, moi, c'est. Non, mais attends, c'est ça, en gros. Alors, après, Sith, c'est un bien grand mot, parce que pour moi, Kylo Ren n'est pas un Sith, mais. Non, mais. Ouais. En gros, enfin, ils sont dans son camp, ouais. C'est un peu d'obscur. Oui. Fin... Oui, bah, on estime, entre guillemets. S'ils ont suivi Kylo Ren. Oui, non, mais si, à ce niveau-là, ok, d'accord. Et est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que Rey pourrait convaincre des chevaliers de Rennes à se mettre de son côté? Au poids du nord. Alors absolument. Rey, pour moi, c'est la solitude incarnée. C'est ça, toute seule. Le modèle de Luke, c'est pour ça que je la vois pas finir avec Poe Dameron, ni avec un chasseur de X-Wing, ni avec Finn ou ce que tu veux. Pour moi, c'est. Enfin, pilote de chasseur de X-Wing, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, non, pour moi, c'est la solitude incarnée. Et même dans son combat, tu vois. Pour moi, elle va mener un combat solitaire avec sûrement Luke en esprit pour la guider ou ce que tu veux. Mais je la vois pas ramener du bien quelqu'un. Kylo Ren peut-être à la fin quand elle le tuera et puis il comprendra, je sais pas, mais en tout cas non, je vois pas un chevalier de Rennes. Moi je vois plus les mecs pas super utiles, mais qui fuient un peu importe, qui vont donner de la valeur à Rey et à les détruire dans un combat final. Moi je vais montrer que Rey est juste méga puissante. Ouais, c'est ça. Je vois pas plus loin que ça. Ouais, c'est tout. D'accord. Moi j'aurais 2-3 trucs à vous. Est-ce que vous pensez pour le 9, est-ce que vous pensez que Rey bat Kylo Ren et ses chevaliers, justement, à la fin? Est-ce que pour vous, ça se termine comme ça, le 9? C'est trop compliqué. Est-ce que ça se termine comme ça? Ouais. Ça peut l'être. Moi, je m'attends pas du tout à ce qu'il reste que Rey. Je m'attends à un rebondissement autre de la part de Disney. Quand je vois ce qu'ils produisent, je m'attends pas du tout à une sorte de... C'est pas écrit, quoi. Hein? Pour toi, c'est pas écrit? Non, du tout. C'est un truc qu'on s'attend pas. Et puis après, le problème, et c'est pour ça que même faire anticiper un Star Wars 9, ça serait que des suppositions. Oui. On pourrait même difficilement le faire. Simplement pourquoi? Parce que tout ce qui va être qu'on va prévoir, on va le faire en fonction de ce que nous on aime. Et même si on essaie de se mettre dans la peau de Star Wars, etc. De Disney, eh bien on va faire tout l'inverse. Non, mais ouais, il va y avoir trop de choses et ils vont recréer d'autres choses au-dessus, comme il a été fait dans le 8, et au final du coup on sera à côté. Par exemple, moi tu vois, justement ce 8, plein de mystères, tout ce que tu veux. Enfin, le 7 a impliqué beaucoup de mystères pour le 8, au final on voit qu'il en reste. Et sur ce 9 par contre, tu vois, vu la fin du 8, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus écrit. C'est-à-dire que je vois bien Rey donner cette fameuse impulsion à la résistance, où elle va battre Kylo Ren et ses chevaliers. Je vois bien la résistance, on ne sait pas trop comment, peut-être avec ses alliés pour l'instant qui ne viennent pas de la bordure extérieure, vaincre le premier ordre, à voir s'il ne sera pas détruit avant de l'intérieur par Kylo Ren par exemple. Je vois par exemple Poe Dameron mourir en héros. Poe Dameron, pour moi, c'est le personnage typique qui meurt. Oui, ce personnage totalement. En plus, il devait mourir dans le 1, enfin dans le 7, du coup, je vois bien mourir dans le 9. Ce qui fait que du coup, ça détruira l'amour. Qu'il porte à Rey. Tu crois vraiment qu'il va tomber amoureux de Rey? Oui, moi je pense qu'il sera amoureux de Rey. Il va essayer. C'est un peu le beau gosse de la cité. Elle est en mode genre sur le vaisseau, genre t'inquiète, tu peux pas m'atteindre. Il va être en mode genre cœur dans les yeux et il va essayer de lui foncer dessus. Elle va lui refouler
disant non mec, enfin tu sais, elle va dire non, je peux pas. Et du coup, lui, déterminé à la sauver, va mourir un héros, elle pensera toujours à lui jusqu'à la fin des temps. Est-ce que. On va Disney quoi. Est-ce que comme moi, vous pensez que Finn et Rose terminent ensemble? Oui, il y a possibilité, si elle est pas morte. Non, elle est pas morte. Moi, je trouve que Rose, c'est un personnage qui est développé. Qui est là que pour dans sa. Ouais, mais tous n'ont pas être Luke Skywalker, tu vois. Non, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que sa personnalité, c'est que être gentil, etc. On l'a mis là, on aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Ah oui, mais on justement. On a pu être mon chat Gimli sur des paris. C'est ce qui fait qu'il ira très bien avec Finn, d'ailleurs. Non, qu'ils se mettent ensemble, faut voir encore une fois de la manière, mais ça me ferait absolument pas rêver. Et je trouverais ça. Oui, ils se marieront sur Naboo. Et un dernier mystère, parce que les autres, on en a parlé. Est-ce que vous pensez qu'on saura comment Maz a récupéré le sabre? Non, on le sait déjà. Ouais. Explique-le-moi. Ah, dans ma chronique, dans la dernière fois. Ouais, en fait, elle a recherché des artefacts. Non, 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 mais précisément. Ah oui. On sait pas. Oui, elle a recherché, elle a trouvé le sabre, d'accord. Mais... Oui, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, elle a un attrait avec la force, et le sabre, en fait, entre guillemets, il a émis une force. Maz, elle l'a capté, elle a su qu'il était là, elle était chargée. D'accord, alors moi, je vais y aller un peu plus de, dans les versions film. Pourquoi il était là? Comment est-ce que tu vas voir comment exactement. Je reprends le set. Comment c'est Han Solo qui lui demande comment as-tu récupéré ce sabre. Elle dit c'est une bonne question, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mmh. D'accord. Dans le 8, il n'y a pas plus de réponses. Non. Alors Théo, il a été chercher des choses sur internet, mais du moins par rapport au film, ça reste quand même une grande question quand même. Oui, je sais pas. Franchement, moi je pense même pas qu'on va le savoir. Tu penses que ça sera évacué aussi ça? Ouais, on le saura pas. Ok, je. Bah moi je pense qu'on. Enfin moi je pense qu'on le saura parce que ça te paraît trop gros pour être. Autour d'une bière. Alors on va te le dire d'un coup, il traîne. On va te le dire en mode genre. Il était là sous mes yeux depuis tant d'années, quelqu'un l'a récupéré, on sait. Ah oui, c'est Maz, et voilà. Oui, mais expulsé direct. Rien que dans le moment tu prendras pas 5 minutes pour voir Maz en expédition. Non, mais où Rhea va voir Maz pour lui dire qu'Han Solo il est mort, et à ce moment-là, elle va faire oui, d'ailleurs, le sabre laser, bah, le sabre laser, je l'ai récupéré, ça se fait autour d'une bière. Ouais, c'est possible. Je sais pas, peut-être. Et donc, pour terminer sur cette. Non, mais juste pour du coup terminer le podcast d'aujourd'hui. S'il y avait un petit truc à développer, que vous auriez aimé que ce soit mieux développé ou plus développé, non, pas mieux, juste plus développé dans le film. Le combat de Jedi à la fin entre Kylo Ren et. C'est même pas un combat en soi, mais. Enfin, moi je le vois comme un combat, mais. Après... Plus de coups, plus de rage, voilà. Plus de dialogue entre les deux. Plus de dialogue, pourquoi pas, même si je trouve qu'il y en a, enfin ça va. Après, le combat, pour moi, c'est pas un combat en fait. Donc, pour moi, la scène elle est comme elle est, mais je vois pas ça sous forme. Moi, j'aurais trouvé ça un peu ridicule que ce soit un combat justement quand tu sais que c'est une projection. De toute façon, il n'arrive pas à arrêter le coup. Donc, il l'a fait. Il arrête un coup. Bah oui, ils se sont battus. Non. Moi, je crois pas. Non, il se touche pas. Luke ne fait qu'éviter. Ouais. Donc. D'où le Matrix. D'où le Matrix entre autres, ouais, complètement. Grâce à l'hologramme. Complètement. Un truc que j'aurais aimé plus voir développé ce serait, j'ai un peu de mal à dire comme ça, peut-être les personnages dans leur ensemble. Je trouve que oui, on en apprend un peu plus, enfin voilà, il y a plus de choses par rapport à Rey, Kylo Ren surtout, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de background derrière quoi, voilà, sur Rey, Kylo Ren notamment. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Et moi pour terminer, moi là où j'aurais bien voulu que ça se développe un petit peu, et j'ai trouvé ça dommage, et c'est Maz au final, ou Maz Kanata, où j'aurais préféré la voir. Alors on la voit vite fait via une sorte d'hologramme qui dit oui, alors je suis en plein machin, je suis en train de me battre, etc. Aller chercher telle personne, etc. J'aurais bien aimé la voir en vivante, qu'elle apparaisse dans le film, que ce soit pas juste un personnage qu'on mette au placard vite fait. Pour moi, c'est pas un personnage qu'on met au placard, justement, c'est on l'a fait apparaître pour dire n'oubliez pas, elle est encore là. Oui, mais moi j'aurais trouvé ça intéressant de la mettre vite fait. Enfin, je vois ce que tu veux dire, parce qu'ils voulaient pas peut-être la mettre là, comment ils la font rencontrer, machin. En soi, elle peut pas être là vraiment. Non, mais d'ailleurs, on en parle vite fait. Je veux dire, Maz, elle connaît qui à la base dans le set? Dans le set, elle connaît Leia du biais d'Han Solo. Han, Leia, Rey, Finn. Finn, BB-8. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent à la retrouver vite fait en hologramme, en mode genre ah oui, Maz, en fait, on a besoin de tes conseils. Non, je pense qu'ils ont gardé contact. Oui, parce que ce que je te dis, l'appel genre sur son portable. Maz, ah oui, attends, je suis en plein truc diplomatique. Bah, j'imagine que tu peux la joindre par un biais de ta Kodana ou ce que tu veux. Enfin, ouais, je sais pas. Après, alors, je réfléchis que Podamon, non, elle le voit pas, Podamon au final. Non, mais elle le connaît, du coup.
Elle connaît globalement la résistance. Non, mais il lui, même Maz, elle lui parle en mode genre on se connaît. Ouais. Voilà, après, ça, je sais pas. En tout cas, pour moi, Maz, effectivement, on pensait tous l'avoir plus dans le 8. Hein, je crois que c'est notre conclusion du 7, d'ailleurs. Je pense que si on la voit pas tant dans le 8, c'est vraiment pour lui donner une plus grosse place dans le 9. Et une dernière question. Comment s'appelle. Alors, j'en fais exprès de le dire comme ça. Comment s'appelle le. Vous savez, le robot tout doré. Non. Ah, c'est 3PO. Tout doré. Tout doré dans le Star Wars 1, 2, 3. C'est 3PO et après c'est 6PO. Ah ouais, c'est 3PO, c'est 6PO, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, à quel moment. Donc, c'est 3PO, on est bien d'accord, qu'on se met tous d'accord, que c'est bien dans le Star Wars Menace Phantom, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Non, pour moi, dans le 4, 5, 6, il l'appelle Z6PO, C3PO, il y a les deux pour moi. Je sais plus. À un moment, il a appelé Z6PO, et pour moi, 5 et 6, c'est C3PO. Parce que pour moi, Han Solo, il ne fait que l'appeler 6PO. Ouais, mais justement. Et Léa, elle l'appelle que 6PO, et que tout le monde l'appelle que 6PO. Je crois que. Pour moi, Han Solo Z6PO, je le vois dans le 4 en tout cas, mais il y a des moments où justement il appelle C3PO aussi. Parce que tu regarderas que dans le 6, il fait 6PO, tu diras cette grosse limace baveuse en parlant de Jabba. Pour moi, il y a les deux. Pour moi, ça a vérifié, et je vous demande de vérifier tous, hein, même si vous écoutez, et vous remarquerez que dans Star Wars 8, et là c'est là où Disney peut encore avoir une grosse incohérence, c'est que Poe Dameron l'appelle C3PO. Ouais, peut-être. Et quand je l'ai vu au cinéma, je fais quoi ? C'est pas possible. Et du coup, je trouve ça dommage. Il me semble, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, faudra vérifier. Parce qu'il me semble que dans le 4, 5, 6, il y a des moments où il a appelé C3PO. Donc, bon. Nous vérifions tout ça. Et bien voilà, encore une fois, l'entre des maraudeurs va donc se fermer pour cette semaine afin de travailler sur les animaux fantastiques. Donc, nous allons retourner dans l'univers de Harry Potter. Ça va faire du bien de quitter un peu Star Wars, je pense aussi. Ouais. On a besoin de prendre du recul sur cet univers, bien qu'on l'affectionne tout particulièrement. Mais du coup, nous allons retourner dans notre magnifique univers de sorciers avec tout plein de choses. Et donc, nous, on s'attaque justement à une nouvelle trilogie, donc le début d'une nouvelle trilogie. Plus que ça, 5 films, mon ami. 5 films, bien sûr. je ne m'aventurerai pas à dire le mot, mais c'est 5 films. Donc, sur les 5 films, au moins sur le premier où Norbert Dragono est au milieu de l'intrigue. Et on espère pouvoir avoir vos questions, ressentis ou autres sur les réseaux sociaux. Donc là, ça y est, notre page Facebook est active. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, on peut effectivement la rechercher. Donc l'entre des maraudeurs, hein, vous tapez ça et vous tomberez dessus. Donc cherchez la page, vous trouverez. Sur Twitter, donc c'est ADMaraudeur, mais si vous mettez entre des maraudeurs, ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, on a hâte de pouvoir voir vos prochaines questions, si on peut vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Alors on va essayer de le faire très rapidement, et si ça peut être très vite écouté, eh bien qu'on puisse déjà avoir des premières questions afin de pouvoir interagir indirectement avec vous, mais directement via les réseaux. Donc c'est un réel plaisir encore une fois pour nous de partager l'univers. Bien que ce soir il a été un petit peu plus houleux que d'habitude, puisqu'on avait vraiment, pour la première fois, on a été loin d'être d'accord sur différentes choses. C'est quand même intéressant toujours de l'avoir, surtout qu'on n'avait pas vraiment débattu dessus, on l'avait vaguement fait, c'était un peu réservé. On s'était dit qu'on garderait un peu plus, on avait un peu parlé après. Oui, voilà, on avait un peu parlé après, il fallait qu'on en parle forcément. Mais je trouve qu'on avait gardé quelques trucs en réserve, mais on a encore énormément de choses à dire sur ce film, je pense qu'on est loin encore d'avoir terminé. Ah oui, ça va être terrible, on a encore des heures et des heures et des heures de débat, et on espère pouvoir partager ces heures de débat une nouvelle fois avec vous. En tout cas, c'est un réel plaisir de la part de tout l'entre des maraudeurs. Nous sommes très heureux de pouvoir mettre en avant tous nos univers, de les partager avec vous. Et donc du coup, c'est fini pour ce soir. Et bien, merci à Bertrand d'avoir participé activement à cette émission de Star Wars 8. Et bien, ce fut avec plaisir. Merci à tout le monde. Et merci Théo, à toi d'avoir participé aussi à l'entre des maraudeurs. Ouais, c'est super plaisir. Et donc du coup, on vous dit à très bientôt. Le grand animateur. On le dit pas assez, c'est vrai. Non, mais en tout cas, merci à vous, c'est un réel plaisir et on vous dit à la semaine prochaine. Salut.